11e Mudumbear au défi du leader Yann Gainsport. 14 points séparent ces deux formations. Et surtout, Jordi, des dynamiques contraires qui opposent eh bien, cette équipe Dumbéenne à celle du Nord. Le leader Yann Gainsport qui va donc essayer de continuer sur sa belle marche en avant. 3 victoires de suite pour l'équipe de Félix Tagawa. 2 défaites d'affilée pour l'équipe de Francis Watron. Le défi, le challenge est grand pour l'équipe de Dumbéa. Oui, après c'est, on a aussi deux équipes qui sont classées très différemment. On a le leader et on a le 11e. Le 11e avec la plus mauvaise défense actuellement avec Juan Ono, avec une différence de moins 16 buts. Et voilà, ils n'ont pas le même objectif. Donc on verra comment les équipes vont se comporter sur le terrain. Voilà, affaire à suivre donc. On va en tout cas passer aux compositions des deux équipes mises en place par les deux techniciens du jour. Je le disais donc, le coach Watron d'un côté, le coach Tagawa de l'autre. Cette formation de Méhen qui va donc essayer de retrouver à des valeurs sûres derrière, et surtout cette base défensive. Parce qu'on le sait, devant, ça va être, en face, ça va être très costaud avec cette équipe de Yann Gainsport dont on ne présente plus les qualités offensives. Et on partira sur cette charnière Aoussou. Oui, une année, Jordi. Ouais, c'est une charnière qui marche bien depuis le début de la saison, donc c'est une charnière costaud. Pas de raison de changer. Et puis devant, le trio Kela, Ranac, Tiaou. Alors à voir hein, sur la mise en place des joueurs choisis par Francis Watron. Ouais. On devrait retrouver en tout cas ce milieu de terrain Bolo Watou, Philippe Waïsso. Ouais, on voit un petit changement de poste pour Clarence Nipi et Landry Tiaou. Un qui est passé offensivement et l'autre descendu défensivement. Ouais, donc on verra si c'est vraiment tout ça qui est mis en place. On va passer à la composition nordiste avec du côté de Yann Gainsport. Pas mal de retours. Oui, et puis cette victoire importante la semaine dernière face à Tigasport, un but à 0. C'était aussi sur nos antennes de Pacific Plus et la FCF TV Web. Tiga qui s'est imposé 3-0 tout à l'heure face à Wedge. On rappelle aussi que Gaïcha Jordi s'est imposé 4-2 à Lifou. Bah voilà, va devoir s'imposer aussi aujourd'hui pour garder ce matelas d'avance. Logiquement, ouais, ça devrait être leur objectif de la soirée. L'objectif de la soirée, donc avec cette équipe et ce 11 mis en place par Félix Tagawa aujourd'hui. Ouais, on reste dans ce système 4-2-3-1, 4-3-3. On verra selon l'animation. La composition d'équipe pour les Nordistes, la voici. On retrouve Rocky Nikain dans les buts. Et puis Roy Caillera. Voilà. Qui est en fin de suspension, qui retrouve le terrain. Cette place de titulaire aux côtés de Jean-Luc Décoiré. A noter aussi que Fanzi Ranchin est suspendu avec un cumul de 3 cartons jaunes. Il ne jouera donc pas aujourd'hui. Et puis ce milieu de terrain où on revoit Emmanuel Caillera aux côtés de Jean-Claude Illy et Cédric Sanso. Et puis Bertrand Caille titulaire aussi. Ça fait plaisir de revoir Bertrand. Ouais. Retrouver son poste de titulaire, il avait été absent sur ce début de saison du côté d'Yann Gainsport. Ouais, on peut voir aussi le retour de Joyce Poitjao, un ancien joueur, un jeune joueur qui était absent durant pas mal d'années, qui fait son retour. Et voilà, Bertrand Caille, l'inévitable Bertrand Caille qui est toujours, toujours présent. Ouais, en tout cas, il y a de quoi faire du côté de Yann Gainsport. Différentes options possibles, on voit encore Ruiné sur le banc. Il y a encore un Ruiné sur le banc, c'est vrai que ça... Ce duo l'a ruiné Wichia, devrait faire mal, donc là il garde une balle en réserve. Exactement, et c'est vrai qu'on peut le dire, Jordi, cet effectif de Yann Gainsport est quantitativement et qualitativement certainement le meilleur de ce championnat cette année. C'est un effectif qui fait rêver, oui, à tous les niveaux, sur toutes les lignes, il y a toujours un joueur qui est vraiment qui maîtrise vraiment son secteur et son poste. Ouais. On l'a vu, il y a les supporters et supportrices qui sont en tribune et qui font passer le temps en attendant l'entrée de ces deux formations. Entrée certainement imminente sur cette belle pelouse qui devrait être un peu fusante du stade de Nouma Dele. On voit les spectateurs avec les vestes et les pulls. Parce que, ouais, le froid est toujours présent. Il fait frais, c'est vrai, du côté de Nouméa aujourd'hui. On a été épargné par la pluie pour le moment. Ouais, pour le moment. Parce que ouais, on peut voir que ça se gâte légèrement. Et on vous sait nombreux et nombreuses à nous suivre, bien au chaud chez vous ou derrière vos écrans, sur la FCF TV Web, comme sur le canal 10, le canal Plus Calédonie, Pacific Plus. Alors on sera ensemble, Jordi, jusqu'à cette fin de saison prévue
les 4 et 5 novembre, la 22e journée. 22e journée, ouais. On rappelle qu'on entame aujourd'hui cette phase retour. Oui, première journée des phases retour, déjà avec pas mal de scores sur les îles et sur du côté de Boulari. Et donc voilà, le premier match avec Cougny et Magenta, qui a été un match intéressant, avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'occasions, et quelques buts, ouais, quand même 4 buts. Alors je regardais, parce que j'ai une infoscore qui me vient de Marais, 2 buts partout. Score final entre l'Horizon Passau et l'AS Mondor. On essaye comme à chaque fois de vous fournir les résultats, infos. Et donc 2 buts partout. Entre l'Horizon et le Mondor, il nous restera aussi à savoir combien a fait Nejiu face à l'Ossi du côté de l'IFU. C'est un derby intéressant. Intéressant, ouais. Et visiblement, l'Ossi qui menait un but à 0. Un but à 0, c'est ce que j'ai entendu, oui. Voilà les différents acteurs là qui se font attendre. On espère qu'il n'y aura pas trop de retard encore une fois. Mais voilà, on va rentrer tout doucement dans cette rencontre de la 12e journée. 64 matchs, 67 maintenant désormais ont été joués, même 68, hein, puisque pour l'instant 4 rencontres ont été disputées sur cette 12e journée. Et 68 sur 132. Hein. Il y aura 132 matchs dans cette saison, Jordi. Ouais. À raison de 6 matchs par journée. Et on le rappelle, il y aura encore 2 matchs en retard. Tiga Kounié, Gaïcha, Tiga Sport à jouer en. La semaine prochaine, Tiga Sport Kounié, samedi prochain. Et en route pour Gaïcha Tiga. Donc ça nous amènera en tout cas jusqu'à fin novembre. Et on sera forcément ensemble pour suivre cette belle saison et ce beau championnat 2023 où ça reste très serré. Alors, on le rappelle, hein, il y aura ces deux descentes directes et puis ces trois places de barragistes. Donc forcément, tout le monde est concerné et sera concerné jusqu'au bout, certainement. Ouais, cette 11e et 12e place qu'il faudra éviter absolument, qui sera suivie justement de cette descente directe, comme tu le disais, Romain. Et voilà, après... les places, le nombre de points qui séparent le 8e, 9e, 10e du classement actuel n'est pas énorme. Donc plein de choses à revoir et tout n'est pas encore joué, comme on le dit à chaque fois. Exactement, en tout cas les joueurs qui se sont salués, qui ont salué le corps arbitral, avec ce petit jeune qui accompagne toujours le trio arbitral sur l'avant-match, tous arbitres. Tous arbitres, oui. C'est un peu une action promotionnelle mise en place par la fédération. On est très heureux de voir cette image du petit jeune Tizimako, accompagné. Fils de Jean-Paul Cureau. Eh ben voilà. Ouais. C'est même lui qui fait la pièce. C'est lui qui fait la pièce. Il est intimidé parce qu'il voit Bertrand Caille. Oui, il voit Bertrand Caille à côté. tu vois son. Sur son. Forcément un idole des petits. Sa petite idole, tête, ouais. Local. Bertrand Caille. Qui ne connaît pas Bertrand Caille, pratiquement bientôt 40 ans. Figure emblématique du football calédonien. On a marqué son époque au niveau du football, Kagou, c'est il est encore là. Bientôt 40 ans, toujours sur le terrain, au niveau calédonien. Trio arbitral, Pujin Pidjo et le jeune Kylian Lelarge. Mais ouais, effectivement, on le sent encore motivé, notre capitaine emblématique calédonien, Bertrand Caille, et il a toujours cette vitesse qui caractérise... ce joueur immense qu'il est. Les deux coachs, Francis Watron et Félix Tagawa, ne présentent plus non plus Félix, forcément. Ouais, il a tout gagné. Ouais, il a tout gagné. Seul entraîneur calédonien. Avoir tout fait. Avoir gagné la Ligue des Champions océaniennes, c'était en 2019, on ne le rappellera jamais assez. C'est vrai. Et pour l'instant, le seul club calédonien et français. À avoir remporté. Et français. Et français. À avoir participé à une Coupe du Monde de la FIFA. Coupe du Monde de la FIFA, voilà. C'était en 2019 du côté du Qatar. Et dans cette équipe titulaire, il y avait un certain Jordi Goni. Ouais. C'était la belle époque. J'étais dans le staff, mais toi, tu étais sur le terrain. En tout cas, c'est de sacrés souvenirs. Et souvenir, on espère très vite revoir une équipe calédonienne sur le toit du football océanien. On va saluer... l'équipe de l'ASAF qui rejouera lundi son deuxième match de la première Ligue des Champions océanienne organisée par l'Oceania Football Confederation. L'ASAF qui a gagné 2 buts à 1
son premier match historique de Ligue des Champions d'Océanie, c'était il y a deux jours. Ouais, bon bravo courage à elle et on les encourage si elles nous suivent depuis Port Moresby. Ouais, c'est parti. En tout cas, c'est parti pour cette rencontre entre Dumbéa qui va peut-être aussi jouer sans pression parce que on joue leader. Pas, on les attend pas forcément à aller battre cette équipe de Yann Gensport. Ouais, c'est là justement où quand on joue libéré, bah, ça déclenche tout. Affaire à suivre donc forcément cette rencontre. Yannick tente la percée. Alors peut-être que ça va aussi beaucoup permuter devant entre Bertrand Caille et Gianni Cayara. Et comme la semaine dernière, on voit quand même un Jordan Wechia, meilleur buteur actuel du championnat calédonien avec 11 réalisations, jouer devant, on a vraiment en pointe. Ouais, Jordan Wechia, c'est un atout de taille avec la vitesse qu'il a. Ah, je vais jamais assez le redire, il va très très vite ce gars. Ah bah là oui, il y a de la vitesse encore sur le terrain entre Bertrand Caille, Wechia, Gianni Cayara. Ouais, ça va très vite. Et sur le banc, Anton Ruiné. Et Roy Cayara donc qui signe son retour et qui fait une belle première intervention, Roy Cayara, qui va lui aussi amener toute son expérience. Oui, Roy Cayara, un gros joueur. Voilà, Roy Cayara justement qui va venir compenser. Il y avait hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Ouais. Il n'y a pas hors-jeu. Signalé hors-jeu qui n'y était pas, ouais. Alors, pas évident, ça va vite. Allez, belle intervention là de Tchaou. Ouais, il faut aller plus vite. C'est bien Clarence Nipi qui sera plus haut. C'est ça. Et Landry Tchaou plus bas. Alors, on va essayer de revoir un peu comment c'est, tout ça est composé. Non, il me semble que c'est ça. Non, c'est Clarence Nipi qui est. Clarence Nipi qui est latéral. Il joue sur le côté droit. Tchaou un peu plus haut. Un peu plus haut, ouais, Tchaou, mais dans l'entrejeu. Dans l'entrejeu, au moins qui s'est pas replacé. Là, Adrien qui est couloir droit. Et c'est Jimmy Watou, là-bas à l'opposé, couloir à gauche. Et c'est bien Landry Tchaou qui va être dans l'entrejeu avec Waiso et Bolo. Et Bolo, ouais. Allez, coup franc en tout cas. Déjà intéressant pour cette première incursion là de cette équipe d'UMBN dans le camp. C'est Watou qui va s'en charger. C'est une faute que Khanach a subie. Premier coup franc intéressant. Ça parle un peu. Watou, Gazo. Gazo qui est gaucher. Watou droitier. Ça peut tout changer. On a vu tout à l'heure ce coup franc magnifique de Newere. Et là, c'est un combinaison. Bien pressé directement. Joyce. Ah, Joyce. Pojao. Son petit retour, oui, c'est un jeune joueur celui-là. Il est absent des terrains depuis pas mal de temps. Il fait son retour. Bien pris là. Manuel Cayara, bien pris par Waiso. Sans faute. Il faut la conserver, bien fait. Avec un beau mouvement. S'appliquer. Et qui est là, Cédric Sanso, forcément. Avec Emmanuel Cayara. Essayer de pressing, repartir bon avec pressing. Un beau pressing de. Ah, il faut s'appliquer là. Ce ballon-là, Khanach. Khanach qui essaie de s'appliquer. Ouais, il soutient. Ah, une main. Il m'a demandé. C'est pas signalé. Nipi. Kela, il tente la frappe. Non, c'est Kela, pardon. Ouais. S'arrêter de jouer un moment en bolo, réclamer une main. Là, à ce moment-là, il ne faut pas s'arrêter de jouer tant que ça ne siffle pas, on continue à jouer. Sanso, bien fait. Dévisser un peu.
Oui, pas l'habitude de le voir rater des passes. J'ai l'impression hein, sur ces premières minutes que Dambéa est en 4-4-2 avec deux pointes, enfin deux attaquants. Watou et Kela. En attaquant ou non Ranac. Ouais, un peu plus Bolo là qui tourne autour de Ranac. On va voir hein, parce que. Ouais, c'est un peu on n'a pas eu forcément le système de jeu. Ranac qui tente, la frappe. Frappe du pied droit, contrôle pied gauche, frappe pied droit. C'est hors cadre. Un pressing assez haut du côté de Dambéa. On va voir si ça va marcher. Ah, bien fait Roy Kaira. On est serein côté Yengen Sport. Ouais, c'est compliqué de presser ce genre de joueur, ça reste très serein derrière. On est plus avec Bolo devant et Ranac effectivement. Côté Dambéa et puis les deux de couloir que sont Watou d'un côté et Kela de l'autre. Petite faute. Alors aussi, de toute façon, Francis Watron, on le disait aussi quand on commentait la dernière fois avec John, il le sait, là où ça pêche, et défensivement, 29 buts encaissés avant cette rencontre, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Bah, c'est la plus mauvaise défense avec, avec Juan Ono et Yengen, c'est la deuxième meilleure attaque derrière Magenta. Voilà donc ce rapport de force qu'il va falloir essayer d'inverser, au moins sur cette rencontre. Bolo, chercher Ranac. Décoiré qui ne prend pas de risque. Décoiré qui se retrouve dans l'axe, qui s'en sort très bien, sont à l'aise. Fait des beaux matchs. Bien fait ça, ce centre. Ouais, bon centre, notre ami. Oui, Bertrand. Alors il faut savoir que Balou Décoiré, Jean-Luc Décoiré, il a toujours eu cette polyvalence de pouvoir jouer axe droit et latéral droit. Au Mandor, ouais. Il jouait déjà axial par certains matchs, certaines saisons, et il a toujours été très performant. Et notamment là, il apporte quand même de la stabilité. Ouais. Avec aujourd'hui Roy Kaira à ses côtés, ça c'est bien fait. Attention. En tout cas, Jordi, sur ses premières minutes, il y a du rythme, c'est intense. Ouais, c'est intense, il y a de l'intensité. Il y a du mouvement. Une année. Attention. Tu vas pas perdre ce ballon Waiso plein axe. Il fait une faute, non, il fait la faute. Et c'est joué vite, Bertrand Caille, il a du champ, il cherche au second poteau, il y avait l'arrivée Jean-Wan. De Kayara. Roy, il est monté. Et l'autre Kayara, Roy qui trouve Joyce Pojao. Ça joue, ça joue. Et l'arbitre qui ne dit rien et qui est là. Ça joue, ça joue, Ranac, il faut faire le bon choix, faut faire le bon choix. Fixé. Ranac, il se met en jeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. Et si c'est signalé par monsieur si c'est signalé et le poteau. C'est limite. C'est dommage qu'ils ont joué un peu à contre-temps Ranac et Watou. Ouais, ils étaient un peu. Ils se sont regardés, ils se sont un peu arrêtés. Voilà. Watou, je pense qu'il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est un ballon. Qui couvre. Ouais. Décoiré couvre très bien. Aïe. Ouais, là, il n'y a vraiment, vraiment pas d'hors-jeu. Mais après, c'est vrai que Watou, il a cassé sa course. Et ouais, ça a fait un peu. Il n'était pas sûr de comment Ranac allait lui mettre. Alors, ils n'auront pas de regret parce qu'il y a eu le poteau. Ouais. Mais le fait qu'il ait sifflé, ça peut perturber l'attaquant. Récupération, 3. Et Bolo. Eh bien fait ça avec. Watou qui va vite. Watou va travailler sa technique. Il s'en sort. Watou, ça passe. Il gagne une touche. Touche pour Dambéa. Une touche pour Dambéa. Bon début de match. Pour l'instant, ils jouent pas timidement hein, le coup Dambéa, donc c'est bien. Ça risque de nous offrir un match ouvert. Ouais, Dambéa est bien rentré dans le match. Hein. Oui, puis ils ont pas peur d'aller de l'avant, d'aller essayer de perturber cette équipe de Yengen, le leader du championnat. Ouais, pas encore d'occasion franche des deux côtés, à part ce poteau signalé hors jeu alors qu'il n'est pas. Ça essaie de se trouver des deux côtés. Intervention. Couvert Nipi.
Choice. Nick Kane. Et on relance avec aussi Roy Kayara, que l'on retrouve donc en premier lanceur du côté d'Yengen Sport. On connaît sa qualité de passe et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne. Ouais, c'est Roy Kayara qui peut apporter cette petite passe là qui casse les lignes. Très doué pour faire ça, Roy. Ce ballon vers Wachia, Kayara. Gianni Kayara qui n'a pas pu se retourner, c'est pas fini. Jackie Oinane qui s'en sort bien. Manuel gagne une touche. Caille. Bertrand Caille, bien fait avec dans l'axe maintenant. Jean-Claude Illy. Bien vu, Illy. Choice. Alors on joue très haut hein, côté Yengen Sport, on est pratiquement. Bah, tous les joueurs sont dans la moitié de surface adverse. Ouais. Là où ça va être important aussi, c'est quand Roy monte, toujours essayer de compenser. Là, je pense que Roy, il donne de la voix sur le terrain quand il monte, on le sait. Il y a tout de suite quelqu'un qui compense. Ouais, c'est ça, c'est le rôle de Joyce, de Jean-Claude Yelly. Emmanuel Kayara bien fait, avec ce ballon maintenant pour Bertrand Caille. Mis en touche par Rémi Cazo. On le disait, hein, Roy, il a cette capacité à casser les lignes, à mettre des très bonnes transversales, de très bons ballons. Donc il ne faut pas le laisser l'occasion de le faire parce qu'il peut être très dangereux de son poste de défenseur central. Après, on sait aussi qu'il peut monter avec le ballon, dribbler 2-3 joueurs et participer à la phase offensive. Ça joue en une touche. Ouais, dans ce rôle de fixation balle au pied, ça crée du surnom. Mais après, c'est sûr que c'est un jeu à risque, hein, Roy. Ouais, un jeu à risque. Et c'est là où sont importantes les compensations. Ouais. Après, voilà, faut cette maîtrise technique qu'il a pour faire ce style de jeu. C'est joué rapidement. Attention à la vitesse. Wachia va très vite. Passe devant Wainane. Et il y a du monde au second poteau, quel ballon, bon, c'est ce un ballon. Peu fui en dommage. Gianni Kayara qui va devoir s'appuyer là. Et Joyce en soutien, Pojao, il le trouve. Et on retrouve maintenant Illy. Voilà, Illy. On reprend le temps, on retravaille. On va essayer de passer de gauche à droite, voilà qui est fait avec une maîtrise quand même technique intéressante. Côté Yengen Sport, ce ballon vers Bertrand Caille, le contrôle à la poitrine. Caille. Avec Poitjao. Yili. Ah, le leader qui en impose là sur cette voilà, phase de jeu. Mais attention, justement, c'est contre. Bien anticipé, Nikkein. Toujours à l'affût. Voilà, ce qu'on appelle les gardiens proactifs. Ouais. J'en dis maintenant les gardiens modernes. Hein, ce joueur de champ qui peut jouer avec la main. Ouais. Comme on dit. Ouais, ce gardien-là, il est déjà au-dessus de la moyenne. Avec l'expérience qu'il a, il maîtrise pas mal de secteur à son niveau, à son poste. On parle bien de Rocky Nikkein. Ça va être un corner. Frappé par Bertrand Caille. Sur le les poteaux, la tête et l'ouverture du score. Le retour gagnant, celui de Roy Kayara. Ouais. Il avait été absent 5 matchs pour cause de suspension. Ben voilà, Roy Kayara qui coupe parfaitement cette trajectoire au premier poteau. Et comme un emblème, les deux anciens passeurs décisifs, Bertrand Caille et buteur, Roy Kayara, 1-0. On le disait, hein, Roy Kayara pouvait être très dangereux sur les phases offensives. Et voilà, un corner, il monte à la tête, coupe la trajectoire. Après, ces deux joueurs, ils se connaissent déjà depuis très 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 longtemps. Donc, la complicité, elle est déjà là. Ça se voit. Ah, c'est dommage, Dumbéa qui avait fait plutôt un bon début. Et puis, c'est vrai que de match, et puis depuis 5 minutes, bah, ils subissent hein, quand même. Bon, on sent que techniquement, c'est le leader en face. Hein, donc, il faudra être costaud côté Dumbéa. Qui, c'est dommage, se fait prendre à revers sur un coup de pied arrêté.
Ouais, c'est ça, après, ce qui fait la différence, c'est le détail. Ce détail-là, ça se voit et ça joue sur les passes, les contrôles, les transmissions. Quand c'est propre et appliqué, d'où cette équipe de Yengen qui est leader. Ouais. Techniquement, c'est serein, c'est à l'aise. On rappelle hein, que Gaïcha a emporté 4 buts à 2 tout à l'heure à Lifou face à Rouen-Ono, que Passo et Mondor ont fait match nul 2-2. Tiga qui a aussi gagné 3-0. Et puis vous l'avez vu sur nos antennes, celle de Pacific Plus et la FCFT, Web, Cougnier, Magenta. Pas de vainqueur, 2 buts partout. Ce qui pourrait faire les affaires aussi de Yengen Sport, puisque Passo et Magenta ont fait match nul, Jordi. Donc ouais. Ils peuvent creuser un peu l'écart ce soir lors de cette 12e journée qui, on le rappelle, est la première de cette phase retour. Ouais. Ah, il faut lâcher plus vite au milieu. Okay. Trop de toucher de balle. On a fait ça. Déquaré, ah, ils sont sereins, hein, balle au pied. Ouais, après c'est propre, les passes elles arrivent, tout est dosé, là, alors, une touche, il est serein. Et heureusement, Jackie Wainane, il est là, capitaine d'Ambéen, originaire de Marais, qui est dans ce poste désormais, Jordi, de axe central aux côtés d'Erwan. Ouais, c'est un duo qui marche très bien. Qui développe cette complémentarité avec plus de communication, plus de combinaisons. C'est surtout ça. Oui, ciao. On hippie. Mais c'est la faute du mouvement là du côté d'Ambéa. Est-ce qu'on va trouver Adrien qui est là? Qui subit une faute? Non. Ah si, une faute. A été dos au jeu, c'était pas un ballon facile. Et faute. On attend Kini Kane qui donne la voix. Allez, peut-être une opportunité là pour l'équipe d'Ambéen. Tentative de Khanach écrasé. Et on se dégage, attention, attention. Attention Wichia, oui, ça va très vite. On rappelle, hein, Wichia. On se bute. Un 11 matchs disputés par son équipe. Attention, Wichia. Voilà. Se dégage. Sort. Voilà, non, c'est récupéré. Il faut pas la perdre. Faut savoir varier, temps fort, temps faible. Essayer de chercher les côtés. Voilà, comme c'est bien fait, Erwan. Erwan sait bien le faire. Là, il faut fixer. Ouais, Nipi qui justement prend son couloir et. Il n'est pas attaqué, il peut s'avancer. Exactement. Au deuxième ballon, Bolo. Alex Bolo. Là, il faut de la solution. Là. Oh, ce bon petit ballon Watu. Avec Watu. La frappe. Écrasé. Ah, c'est ce genre d'occasion. Il ne faut pas c'est les bien, louper. C'est bien. Ouais. C'est bien, ça se procrée de l'occasion. C'est récupéré. Rapidement. Ah, il n'était pas attaqué. Nipi sur le côté. Justement, il. Ah, Jimmy Watu il a tenté la frappe. Je ne sais pas s'il l'a écrasé ou. Ouais, un peu écrasé. Ouais, un peu écrasé, c'est ça. Sur son pied gauche. Ouais. Et il a voulu. Avoir une carrière assez fort, mais c'était pas évident. Hein. Il était un peu excentré aussi par rapport à l'axe du but. On va revoir ce bon, superbe même, le ballon d'Alex Bolo. Ce petit piqué là, extérieur du droit. Par-dessus. Il est un peu loin là sur sa jambe d'appui. C'est vrai. Là. Attention, hop. Il a vu la faute. Calera, non, finalement. Monsieur Pougin qui revient. Ouais, faute de Gianni. Calera sur Clarence Nipi. Allez, Dembia, il faut donner du tempo, un peu de mouvement, des déplacements. Voilà, trouver les intervalles comme il fait Erwan, c'est bien fait. Après, il faut encore du déplacement, il faut du mouvement, il faut se déplacer. Bien fait que Osu qui a trouvé Wainane.
On essaye de passer au-dessus cette défense. Et il avait rabattu ce ballon. Côté gauche là-bas. Tête le 1-2. C'est tout de suite vu par Winané. La talonnade, petit geste technique propre. Ah, c'est bien, Dumbéa, ce qu'ils font. Ils n'ont pas pris le coup de massue là, avec cette ouverture du score. Ils ont reposé le jeu, remis le pied sur le ballon. Et ça trouve des solutions avec Alex Bollo. Watou. Non, il n'y a pas d'hors-jeu, ça joue. Pas d'hors-jeu, ça joue. Watou encore. Jimmy Watou dans cette surface de réparation. Et la frappe lointaine. Il y avait une intervention de monsieur l'arbitre. Ouais, je ne sais pas, une faute sur Roy. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une faute. C'est un hors-jeu ? Non. Bah, oh, je pense qu'il est hors-jeu là-bas. Ah, aimé, au départ aimé, du ballon. Caso. Départ il du aurait ballon. Dû laisser Watou voilà, jouer cette balle, ce 1-2. Parce que c'est bien vu ce 1-2. Et si Jimmy il y va, il n'est pas hors-jeu. Je pense pas qu'il est hors-jeu. Que là, il est encore ici. Ouais. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ça fait deux fois. Il est hors-jeu de 3 mètres signalé. Ranach qui essaie de se battre. Il faut y aller, au pressing. Roy toujours serein derrière. Bien joué avec son gardien. Kayara avec Podiao. Ah, ça passe, avec Sanso. Superbe ce relais. Quelque chose qui peut avancer encore. À 3. Non, essayer de savoir chercher à s'appuyer. Là, il faut aller vite. Il est bien joué en une touche. Là, il faut faire les courses là. Et il est intéressant, Alex Bollo, dans son rôle un peu de en forme, ouais. Gravite autour du 9 Ranach. C'est un bon joueur, hein, on le sait, Alex Bollo. Arwan. Là, il touche pas mal de ballons, il est très disponible. Ouais. Il y a des jours, quand Alex Bollo, il est confiant, il peut faire des gros matchs. Il faut rester concentré tout le match, le temps des 90 minutes. Ah, Sanso qui fait... Je la joue à la brésilienne, sombrero. Et la faute, ce pied haut. Ciao, ouais, rien à dire. Je suis pas sûr qu'il touche. Lointain pour Bertrand Kai qui va certainement essayer de chercher la tête 2 dans la surface de réparation. La tête Cédric de Sanso. Cédric Sanso. Cédric Sanso, c'est un peu lointain. Je crois qu'il est touché, ouais. Long. Il est touché par les verts. Coup de pied de coin, corner. Ouais, parce que c'est le thème, la base de chaque coup de pied arrêté. C'est toujours notre ami Sanso, le repère. Après, c'est deuxième, troisième ballon. Qui s'en suivent après. C'est Gianni Kayara. Corner sortant. C'est bien tiré. Encore Roy Kayara. Décidément, il était tout proche du doublé. Ouais, Roy, il est doué pour couper les ballons au premier poteau. Il va falloir être méfiant hein, quand même. Attention, côté ouais. Dumbéa, être concentré sur l'un contre un, prendre ses responsabilités défensives. Parce que là, il est un peu trop loin, là, trop laxiste, Erwan, au sous, je crois. Surtout ce jour-là, Roy, il est très à l'aise de la tête. Donc, ça fait déjà deux fois. Première fois, ça a fait mouche. Deuxième fois, c'est risqué. Il faudra prendre des précautions la prochaine fois. Alors, on voit maintenant Landry Thiaw qui descend très, très bas. Yengen en position défensive, en phase défensive. Ils sont en 4-1-4-1. Travail intéressant de Bertrand Kay et de Gianni Kayara qui viennent se remettre dans la ligne. Ils ont côté d'Emmanuel Kayara et Cédric Sanso. Puis la sentinelle, il y. Ouais, ils ont changé de côté, Bertrand Kay et Gianni. Ils permutent. Ouais, permutent un peu. Toujours des petites techniques pour déstabiliser l'adversaire. Boinou, mauvaise touche. Il faut sortir ça proprement, attention. C'était risqué ça. Joyce Podiao qui intervient. Bertrand Caille.
Et belle intervention de Thiaou. Landry, Thiaou, mais ballon tout de suite rendu au nordiste. Il faut lâcher, voilà. Il faut la sortir proprement. Ah, il y a une faute, ouais, il y a une faute. Une faute de Joyce. Attention, l'avertissement n'est pas loin. On voit. Ouais, il a tout balayé là. Il méritait peut-être une petite biscotte, sûrement même. Et voilà donc Monsieur Pougin qui rappelle à l'ordre Joyce Jao. Ouais, du côté des Bleus, on les entend. On entend Rocky, on entend Roy, on entend Bertrand. Ça parle beaucoup. C'est important. Allez, ça repart avec le gardien Robert Whitreux. Attention, Erwan. Là, il faut se rendre disponible pour Erwan. On vient chercher ses ballons, mais après, il faut que techniquement, on soit serein. Voilà, c'est Erwan. Propre dans les transmissions. Yili. Ouais, bien fait. Kai, Bertrand Kai. Avec Joyce. Ranach, il faut pas faire les bons choix. Bien joué. Et Henri Kayara qui sort, il gagne son duel et tranquillement il fait tourner. Aérer le jeu avec son gardien Nick Kane. Oula, attention, il s'en sort bien. Et voilà, là on a trouvé Wechia, l'intervalle. Ah, attention, là ça va aller. Il est trouvé et Aosu en couverture. Et voilà, il ne faut pas la perdre. C'est récupéré, il faut lâcher rapidement. Se projeter vite vers l'avant. Trouver des appuis. Et voilà, tout faut lâcher. Ouais, à la faute. Faut encore sur Ranach. On l'a entendu jusqu'ici. Et forcément, ça va offrir un coup franc dans l'axe pour l'équipe DFC. On est un peu loin, mais bon, pourquoi pas la tenter. Après, ça dépend. Jackie Wainane avait marqué un beau but face à Gaïcha la semaine dernière, il me semble. Une belle frappe. Il a la capacité. Il peut tenter. Et il tente dans le mur. Il tente. En force. En tout cas, c'est engagé hein, sur les duels. Ouais, ils y vont. Beaucoup de détermination du côté des Verts. Des Bleus aussi, mais les Bleus sont plus dans la maîtrise. Attente. On voit, hein, ce pied haut. Et on arrive à la demi-heure de jeu. 1-0 pour Yann Gainsport. But de Roy Kayara sur corner. Attention. Et quand on parle de défenseur buteur, cette année, il y en a un qui bute pas mal. C'est Erwan Aosu. Attention, on va suivre quand même ce ballon perdu. C'est vrai que Jordi Erwan Aosu, déjà 5 buts hein, cette année. Ouais. Du côté de Dumbéa. Au vu du poste qu'il occupe, c'est pas mal. 5, hein. c'est très bien. Non, mais c'est rare. Après, sur les 5, je pense qu'il y en a 3. Il y a 3 pénaltys. Il est dans le classement des meilleurs buteurs. Ouais. Et puis il avait fait. Deux buts, il me semble qu'on avait commenté sur corner à l'affût. Alors, on s'était tel dit un attaquant. Comme un attaquant, ouais. Il me semble qu'il marquait encore le week-end dernier sur penalty face à Gaïcha. Il y a deux défenseurs qui marquaient le week-end dernier, Jackie Wainane et Erwan Aosu. Ils ne sont pas priés. Et là, aujourd'hui, eh ben, c'est Roy Kayara. Un défenseur. Enfin, défenseur sur le papier. Ah, une faute. Sur Gianni. Gianni Kayara qui subit une faute. Philippe Oisso. Philippe Oisso qui rentre dans le match. Qui est là au duel. Bertrand.
Bertrand Cahy qui va s'occuper de ce coup de pied arrêté. Ouais, intéressant. Attention les joueurs de Denver. Ouais. Attention. Déjà averti avec ce numéro 13, la Roy Kayara, qui est très très dangereux sur les coups de pied arrêtés par rapport à les courses qu'il fait. Ouais, petit Asenso là au donc, deuxième poteau. Asenso. Attention de Whitereux. C'est pas fini. Et bien si. Il a battu au duel. Oula, le pressing contre-pressing qui fonctionne côté nordiste. Les joueurs One sereinement. On le voit, hein, ce contre-pressing où on va très vite sur la perte de balle aller chercher très trop haut. Mais accélérer, attention, on ne va pas non plus trop se découvrir. L'autre côté. Ouais. Plus vite. Ah, ça prend son temps. On va se presser. On voit, hein, Jordi. Bertrand Kay, il est là au milieu de terrain. Il compense. Ah, il fait les efforts. Attention. Il compense les efforts, il fait les efforts, Bertrand Cahy. Ouais, là il y a faute. Belle faute sur Roy Kayara. Faute de Bolo. Rappelé à l'ordre par M. Pougin. On est au tiers de ce match, la demi-heure est passée. Et Yengen, le leader. Pour l'instant, obtient sa 8e victoire en 12 matchs. Bien sûr, il reste beaucoup de temps, mais Yengen pourrait continuer sur cette dynamique. Je le disais, Jordi, c'est 3 victoires depuis la 9e journée pour Yengen Sport. Ouais. Là, il faut jouer, il faut vite se projeter proprement vers l'avant. Qui est là. Ouais, c'est bien défendu. Yili. Voilà, dans le rôle qu'il affectionne, Jean-Claude Yili. Faire l'essuie-glace sur la largeur. Ouais. Compenser. On parlait justement de compensation. Ouais, on travaille les uns pour les autres. Joyce qui fait tourner du côté de Décoiré. Essayer de la jouer longue. Attention, ça va vite. Il faut être au deuxième ballon. Et se sortir de ce pressing là. Enclenché. Attention, Kayara, attention, second poteau. Ah, il s'en met un peu les pieds. Ouais, Jimmy, on entend Watron. Oh, c'est Watron qui crie un peu sur Jimmy Watou qui a dribblé du mauvais sens. Ouais, vers son but. Pas content, entraîneur de Dembéa. Attention ces ballons, attention ces ballons dans l'axe. Bertrand Cahy, il y a un peu d'espace. Bertrand Cahy, il va armer la frappe puissante de Bertrand Cahy. Ouais, ça c'est des offrandes que Dembéa donne à Yengen. Ces ballons dans l'axe, pas du tout débarrassé. Ouais, et puis en plus il est personne monte sur le porteur. Erwan il a déclenché le pressing mais c'est un peu tard. Bertrand il avait déjà armé sa frappe. Mais c'est surtout cette perte de balle de Emekazo dans cet axe. Ce ballon compliqué pour Thiaou qui n'arrive pas à la maîtriser, qui donne cette occasion de but. Ça doit pas se produire ça, ce genre d'erreur là, c'est. Heureusement que là c'est mal passé. Dembéa qui coulisse bien. Attention, pas laisser d'espace. Parce que des joueurs comme ça, voilà, ça arrive à trouver des intervalles. En déviation, c'est un peu long. En tout cas, la pluie hein, qui. Ah oui. Fine qui s'abat sur le stade, Nouma Dele. Ouais, ça va forcément accélérer ce jeu. On avait été épargné jusqu'alors. Ouais, on l'avait prédit lors du premier match. Elle est peut-être tombée. L'image, elle est là. Merci la prod. Bien joué, Thiaou. Temporise un peu, qui fait tourner, aérer le jeu. Et Whitereux qui allonge. Sanso, oh, attention, parce qu'entre les lignes là. Il faut accélérer, il faut faire les courses.
Clarence Nippy. Nippy, mais il va très vite. Clarence Nippy au duel avec Kaira. Et c'est vrai que. Qui s'est pas jeté, ouais. Défend bien. Jordi, justement, il y a quand même beaucoup de. D'espace entre Waiso et Tiao. Et la défense centrale à Osu Weinane du côté de Dumbéa, il va falloir se méfier. Ouais. C'est ces espaces-là que Yagen arrive à exploiter ouais, très facilement. Il est bon ce ballon. Bon ballon, la tête de Bolo directement. Ils ne sont pas parlé. Il y avait, ouais, il y avait Watu, Waiso qui était pas loin. Bolo qui n'est pas le plus grand aurait peut-être pu laisser passer. Voilà, il faut se parler pour ça. Ouais, bon retour. Pas de faute. Oh, lui qui s'échappe. Mekazo. Mekazo. Non. Mais pas de faute. Ah, Nikin qui va vite jouer. Sanso. Ouais, Sanso au pressing, pressé directement. Voilà, toujours serein, Cédric Sanso. Oh, et puis ça permet d'orienter ses ballons. Erwan qui va monter. Mauvaise compréhension à Osu. Là, il faut faire la supériorité, il faut jouer sur le nombre. Là, Erwan il est monté. Il continue sa course, c'est bien ce qu'il fait. Il ouais, y a du monde hein, qui arrive avec ce ballon un peu mal négocié. Qu'est-ce qui se passe? Corner. Corner réclamé par Khanach. Là, il avait raté son intervention, oui, je crois. C'est Roy Kaira. Oui, là. Ça commence à glisser maintenant. Ah, c'est Roy. Et Khanach a été surpris. Ah, il ne s'attendait pas, mais là ça commence à fuser un peu. Le terrain il a mouillé. C'est sûr que là le ballon il va surprendre un peu tout le monde. Allez, coup de pied de coin pour Dumbéa. Tiré au second poteau, heureusement il y a Sanso pour les nordistes. Attention Erwan. Ouais. Ah, il y a une faute, ouais, il y a une belle faute. Peut-être prendre une sanction. Non. Ah, on entend le président d'MBA. Il demande le carton. On l'a entendu, hein. Ah, on l'a entendu, oui. Dans le public. Ouais. On va peut-être revoir les images. La production, mais ouais. Il y a une belle faute, là. Je crois que c'est une semelle. Ouais, une semelle. Ouais, il laisse traîner sa jambe, son allez. Pied. Ouais, c'est... Une semelle qui traîne, là, sur la cheville, la malléole d'Erwan Aoussou. Avec le froid qu'il fait, là, ça doit faire mal. Ça fait un coup franc pour Dumbéa. On va essayer d'aller chercher là-bas les grands sur cette fin de première période qui approche à grands pas. Il faut s'appliquer pour ce coup de pied arrêté. Second poteau, on n'arrive pas à se dégager. Corner. Ouais, signalé corner. Ça fait corner, un plus, hein, beaucoup de corners qui s'enchaînent de part et d'autre. Ouais, Dumbéa qui s'installe petit à petit du côté, côté des bleus de Yangensport. Dans leur camp, tout doucement. Bah, ils se procurent des occasions, mais tout doucement quoi. Faut un peu plus. Ah, faut faire les courses. Faut croiser les courses. Il faut que ce soit bien tapé. C'est bien tapé. Et c'est bien tiré. Et encore Sanso, toujours aussi utile. Et attention, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Important sur cette tête défensive, Bertrand Caille à l'opposé, il l'a vu. Il oh, quel bon ballon avec Wechia. Wechia, ce ballon maintenant pour Illy et le 2-0 pour ouais, Yangensport. Illy qui a bien suivi, il a fait l'effort. Illy et ce ballon subtil de Bertrand Caille vers Jordan Wechia qui arrive du bout du pied. Ah, le ballon il est parfait de Bertrand. Ouais, qui demande une faute les Dumbéens, mais l'arbitre qui ne dit rien. Et Illy. Ah, qui se retrouve ça fait face mal, hein, ce face but au cache-bit. Ouais. Dumbéa, forcément. Bah, le contre, il a été fatal. Mais on a vu hein, Bertrand Caille, le petit coup d'œil oui, et la passe parfaite. Ça, c'est l'expérience. Bertrand Caille, il a mis le ballon qu'il fallait pour Wechia, qui s'en est pas sorti avec la sortie de Wechia. Mais Illy, il a bien, très très bien suivi. Et qui peut finir dans des cages vides. Alors, bien joué. On reverra cette action qui peut être considérée comme litigieuse du côté de Dumbéa. Parce qu'ils estiment qu'il y a faute de. Une première faute. De Wechia. Hein.
On verra sur, ça le, tout sur à le gardien. On verra. Voilà, ce ballon-là est très très bien donné. Ouais, bon, on vous laissera juger. Oui, le touche avant, on tire touche avant. Qu'il y a une petite poussette. Bon, en tout cas, monsieur Pougin, lui, n'a pas hésité. Difficile hein, de juger parce que. On rappelle que bah, c'est ouais, un sport de contact hein, aussi le foot. Il n'y a pas l'air de. Ouais, il y a épaule. Enfin bon. En tout cas, monsieur l'arbitre, il a laissé l'avantage. Et qui était là bah, c'est Jean-Claude ouais. Illy. Ça joue vite. Attention, Richie, encore. C'est dommage que Dombéa, sans faire une mauvaise première période, se retrouve mené de 2 buts. Allez, on revoit ça. Ouais, Là, c'est juste là. Mais il la touche avant, Richie. Non, non, juste avant. Juste avant. C'est, il signale ouais, la faute, faute sur de Boccia sur le défenseur. Sur Bolo, oui. Et peut-être un contact par derrière. Du pied qui a déséquilibré le défenseur d'Ombéa. On revoit, là. Hein, voilà. Oui, là ouais, il y a faute, ouais. Là il touche son pied. Ouais. La Bolo, il tombe pas tout seul, là, vous voyez. Boccia touche le pied. Allez. Ça joue. Il est joué. Ça joue. Ah, ça commence à crier un peu dans les tribunes. Ah, ils sont pas beaucoup, mais on les entend aller. Bruit, ouais. Et voilà, allez hop. Ça on dégage, on touche comme on peut. Il reste à peine 5 minutes. Francis Watron au bord du terrain avec ses travaux qui n'en finissent plus là, du côté de Nouma Dele, mais qui n'avance pas des masses en tout cas. C'est bien joué en une touche. Et là, il y a poussette. Poussette, mais pas signalé, pas 6 signalé, mètres. Ouais. Après, ouais, Romain, c'est les arbitres. Hein. Écoute, voilà, là. Il a demandé une faute là, je pense qu'il y avait. Il aurait pu avoir une faute. L'arbitre a laissé jouer. Allez, 3 minutes dans ce temps réglementaire. Et Yengen qui a breaké. Ouais, donc. 2 buts d'avance pour le leader. Attention, ouh, attention, attention, là il faut pas, il faut en profiter là. Peut-être la réduction du score de Bolo. Ah oh non, là, dommage. Là, quel gâchis. Ouais. Lui qui a fait une très belle première période, pourquoi non, mettre ouais, un ça. Boulet de canon. Il va s'en vouloir, là il va s'en vouloir, oui. Hey, ça, c'est la transition pour la mi-temps parce que on va vous mettre l'émission Parole d'attaquant avec Michel Mahé. Ouais. Et Ramon Djamali qui justement nous expliquait de par leur analyse que ça n'a rien de tiré fort. Hein. Ouais. Bon, Alex Bolo, il fait ce choix de mettre en force, mais mettre un pétard. Je sais pas après s'ils se sont parlé sur le terrain en lui disant qu'il était seul ou un peu de stress. Ouais, après bon, Alex Bolo qui est plus un milieu de terrain, hein, pas un buteur, mais c'est vrai qu'il avait une énorme opportunité de réduire la marque. Avant la mi-temps. Sur une offrande bien malheureuse de Sanso. Allez, on le retrouve Alex Bolo, justement. Ah, bien fait, dommage. Ça glisse là de côté. Ah, bien joué Bertrand sur la remise. La Choice qui s'est joué en 1-2. C'est dommage. Dembélé qui aurait pu revenir au score. Ciao. Faut jouer au sol. Non, c'est pas bien transmis, et c'est encore pas bien transmis du côté de Yengen avec Joyce qui coupe ce ballon. Nipi. Ça profite pour Nipi. Ouais, le centre, mais il est là. Ouais, sans problème Kane. Pour Kane. Ouais. Très serein, Rockin' Kane. Et attention à ne pas être lobé. Bien jugé ce ballon par le capitaine Wainane. Emmanuel Kayara. Attention, Wachia. Ça va vite là. Boula Wachia, côté droit. Une année qui défend bien. Ouais, il s'enferme, mais. Chercher le corner non. Et non. Pas de corner. On revoit. Ah non. Ouais, c'est un peu. Il ah, y a quelques petits regrets pour Dombéa sur cette mi-temps, même si bon le leader on impose. Hein. Ils peuvent se dire qu'ils auraient pu revenir à la marque là sur cette énorme occasion d'Alex Bolo. Ouais. Ranach. Attention Ranach, faut pas se tromper de sens. Ouais,
saut. Ah, y a pas de faute, Pougin qui laisse jouer. Et on retrouve Cédric Sanso avec Jordan Wichia, bien fait. Il y a du soutien qui arrive. Kayara. Hop, et petit ballon piqué. Ça passe. L'autre Kayara, Gianni. Oui, une année. Ouais, sans faute. Oula, qui... geste difficile. Petite louche. Et finalement, un ballon récupéré donc par l'équipe d'MBN. Et voilà la pause hein, qui vient d'être sifflée par monsieur l'arbitre. Premier acte, Jordi, dans lequel les nordistes, les leaders, ont su prendre l'avantage comme prendre il fallait. L'avantage, ouais. Effectivement, faire preuve d'efficacité. Ouais, avec ce premier but de Roy qui est un but qui n'y a rien à dire. Coupe bien ce ballon au premier poteau, ce qu'on a frappé par Bertrand Caille. Après ce deuxième but qui est un peu, on va dire, un peu litigieux avec une faute ou pas faute sur Alex Bolo. Ouais. De la part de Wichia, c'est les arbitres. Ça a été conclu et breaké, le break qui avait été fait par Jean-Claude Illy. On se quitte et on vous laisse avec cette émission. J'en parlais, Parole d'attaquant, une nouvelle émission proposée par la FCF TV Web. Et les deux premiers invités, Michel Mahé et Ramon Djamali, deux grands attaquants du football calédonien qui nous livrent leur analyse et leur expertise dans cette émission Parole d'attaquant. On se retrouve juste après. Ciao. Salut à tous, salut à toutes, la FCF TV Web qui vous propose un nouveau programme Foot Cagou, un programme mensuel puisque tous les mois, on se donnera rendez-vous sur le web avec des invités. Ces invités, ce sont les acteurs, les actrices du football calédonien, celles et ceux qui œuvrent actuellement à la construction du football en Nouvelle-Calédonie. Et puis celles et ceux aussi qui ont fait briller ce football Cagou, des plus anciens, des plus anciennes. En tout cas, de nombreux et nombreuses invités seront au programme. Pour commencer en beauté, forcément, on pouvait n'avoir que des attaquants. Un spécial Parole d'attaquant avec nos deux premiers invités. Michel Mahé, ancien international et grand buteur du football calédonien. Bonjour Michel. Bonjour Romain. Et puis à ma gauche, Ramon Djamali, également ancien international à Cagou. Et puis ancien buteur et attaquant. Bonjour Romain. C'est parti pour ce nouveau programme. Parole d'attaquant, c'est tout de suite sur la FCF TV Web. On va revenir, Michel, sur ta carrière hein, qui a pris fin il y a à peu près 7 ans. Tu peux un peu nous reparler un peu de ton histoire, de ton vécu avec le football calédonien, ta carrière. Moi, j'ai débuté avec la GS Marais avant de m'expatrier vers la Polynésie, où j'ai évolué 4 ans là-bas et retourné ici en Calédonie dans les années 2002 pour évoluer avec Magenta et 2 saisons avec le Mandor. Et terminer ma carrière encore avec Magenta qui m'a accueilli ici en Calédonie. Beaucoup de titres aussi à ton palmarès? Je pense, si je ne me trompe pas, beaucoup de titres avec l'AS Magenta. Le Mandor également, où j'étais de passage. On a pu gagner un titre avec le Mandor. Et en Polynésie, pareil, une Coupe de Polynésie et un championnat de Polynésie. Est-ce que tu te souviens si tu as des titres honorifiques de meilleur buteur, que ce soit à Tahiti ou ici? Alors à Tahiti, j'ai eu 2 fois le titre de meilleur buteur, dans les années 99-2000 et 2000-2001. Et après, je pense qu'en Calédonie, je ne m'en souviens plus, mais il me semble que j'ai bien
j'aime bien terminer une ou deux fois le meilleur buteur sur le territoire. En tout cas, il y a eu plein de buts. Il y a eu aussi des buts avec la sélection. Est-ce que tu peux nous redire un peu ton parcours avec la A? La première expérience que j'ai eue avec la sélection A, c'est pour les Jeux du Pacifique en 2003, où ça a été un des moments forts où la sélection calédonienne, la fédération calédonienne, a repris quelques joueurs qui évoluaient notamment en Polynésie et dont je faisais partie avec Ramon et José Maé et Papin Louenou. Alors j'ai été un peu fouiné sur Internet, 28 sélections, 22 buts, le ratio est pas mal. Oui, on peut dire si on peut dire ça, quoi. Hein. Donc, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Hein. Quand on est en sélection, on se doit d'être efficace, quoi. Hein. Est-ce que justement, Michel, tu as des moments forts là, qui te reviennent sur cette carrière qui a été longue et fructueuse? Ben, là, des moments forts, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être rappelé pour la première fois en sélection de Calédonie. Et le premier but en sélection avec ce but contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'ouverture des Jeux du Pacifique à Fidji. Tu as une description à nous faire de ce but? Ça, c'est quelque chose qui t'est resté marqué un peu? Ben, c'est un peu sur l'action de but. Hein. Je pense que c'est face au but, le ballon il revient, je fais un contrôle, puis voilà, hein, c'est l'enchaînement. Hein. Face au but, on est face au but. C'est simplement le fait de cadrer. Voilà, la frappe, elle va dedans. Quoi. Comment tu te définirais ton style, le style d'attaquant que tu étais? Alors, beaucoup plus dans la finesse. Hein. Enfin, moi, je suis beaucoup plus dans la finesse et j'ai tendance à essayer de surprendre l'adversaire, quoi, hein. Mon adversaire direct, notamment le défenseur. Et après, face au but, eh ben, j'avais cette capacité de rester serein et de cadrer à chaque fois mes frappes, quoi, hein, face au but. Justement, on y reviendra tout à l'heure ensemble, Michel, avec aussi ta faculté de déplacement et de pouvoir toujours te libérer l'espace. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être un dernier mot. Est-ce que tu as peut-être des regrets de ne pas avoir été tenté l'aventure à l'étranger ou en tout cas professionnel? Parce qu'on sait que tu avais clairement le niveau pour peut-être essayer. Avec la carrière que j'ai faite, je n'ai pas de regrets. Personnellement, je n'ai pas de regrets parce que... Voilà, ce n'était pas ma volonté, c'était la volonté de quelqu'un de très proche, qui aujourd'hui, j'ai une très grande pensée. Il n'est plus de ce monde, mais voilà, j'ai pas de regrets. Et avec une carrière, pour moi, c'est satisfaisant et honorable, quoi, pour moi, personnel. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse plus technique. Ramon, bah merci comme Michel de ta disponibilité. À l'instar un peu de Michel, on va revenir sur ton parcours de joueur. Tu peux un peu nous raconter toi comment s'est ficelée ta carrière? Oui, bah, j'étais formé dans mon club l'AS Auteuil à l'époque. Et après, on avait réussi à arriver faire les deux finales. Et après, ensuite, on m'a repéré par l'intermédiaire de monsieur Pierre Wanapo. Il m'a fait partir à Tahiti où j'ai pu signer à l'AS Venus. On imagine aussi qu'à Tahiti, aussi bien à Tahiti qu'ici, bah, les filets ont tremblé. Tu as un peu le souvenir là, de ces saisons où tu auras marqué un peu les esprits? Oui, bien sûr, ça a marqué avec la saison que j'ai fait déjà à Auteuil avant de partir, qui m'a permis après de me faire remarquer pour partir sur Tahiti. C'est vrai que là, on avait une bonne équipe où j'enchaînais des buts. C'était vraiment une expérience où l'aventure a commencé. Après, sur Tahiti, où j'ai eu la chance, on est arrivé mon premier match où j'ai pu déjà marquer sur mon premier match. Ouais, c'est forcément toujours une bonne chose. Du coup, au niveau du palmarès, tu as rempli un peu les armoires à trophées. Oui, voilà, bien sûr, où je suis arrivé dans le club de Venus, où c'était déjà avec Pirae, où c'était des clubs où ils avaient déjà remporté des titres. Donc, on a su commencer à gagner le championnat et les coupes avec eux, ou des titres de meilleur buteur aussi. Et j'ai eu la chance aussi d'être élu meilleur joueur pour ma première année avec l'AS Venus.
meilleur joueur du championnat haïtien. Donc déjà, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et continuer à progresser. Alors j'ai noté aussi Ramon, bah, forcément ça t'a ouvert les portes tout ça de la sélection. 2003 à 2008, il me semble, tu étais en international. Oui, voilà, c'est ça. C'est la première sélection où la fédération elle avait décidé de faire appel à les joueurs expatriés, on va dire. Du coup, nous à Tahiti, on était quatre joueurs. Il y avait dans moi, Michel, Jackie, Waiku et Joseph Louis-Nou et José Maé. Et du coup, ça a été la première sélection, c'était pour les Jeux, hein, avec un petit frère aussi qui était en France, là, Beaumien, Benjamin, ouais. Et c'est là où on a ouvert les portes, en fait, après, pour les sélections qui étaient derrière, pour les Jeux qui suivaient, parce qu'ils ont décidé de faire appel après à aller chercher les joueurs qui étaient sur Tahiti et en France. Et nous, ça nous a permis. Bah, d'amener ce qu'on avait appris là-bas à Tahiti pour venir compléter ici les joueurs, les forces calédoniennes. Et du coup, on a réussi à arriver en finale, même si on avait perdu. Mais déjà, c'était un bon début, quoi. Justement, les moments forts qui te reviennent comme ça là, sur ta carrière, que ce soit en club ou en sélection, on imagine pas mal. Est-ce que tu en aurais peut-être un ou deux qui te reviennent tout de suite à l'esprit? Oui, il y avait pas mal, mais s'il faut choisir, ben, je vais choisir deux. Moi, c'est ben, où tout a commencé, hein. C'est la finale avec Auteuil, la finale territoriale contre Gaïcha. C'est vrai qu'on avait perdu au tir au but. Hein. C'était un but où j'égalise à 2-2 pour partir après en prolongation et au tir au but. Et le deuxième, du coup? Le deuxième, c'est après cette finale perdue, j'ai été repéré par Gaïcha avait joué contre Venise après. Donc ils étaient là sur le territoire, et ils avaient besoin de deux attaquants. Du coup, j'étais parti avec eux. S'il y a un truc que j'ai envie de faire, et surtout si ça me plaît, ben je vais essayer d'aller au bout, quoi. Bienvenue à bord. Viser la Lune pour atteindre les étoiles. Bah, ils ont une chance fantastique de représenter le pays. Nos parents, nos grands-parents, nos familles ont su nous éduquer dans les valeurs océaniennes que nous portons tous. Cultiver les traditions. Ne jamais renier ses racines. C'est parti pour l'aventure. On voit une tache apparaître dans l'eau. Ça se marre bien, mais en même temps, ça se pousse, ça s'encourage. C'est notre moment. Question de solidarité, état d'esprit. Je ne savais même pas qu'il y avait des cachalots ici. Il me semble que je crois bien que tu es amoureux. Un moment unique, ça va rester à là et puis là. Toujours plus haut avec Pacific Plus. Chaque jour à partir de 17h, Canal 10. Et de retour à Nouma Dele et cette rencontre de la 12e journée qui se finira peut-être sous la pluie. On le voit à l'image. Ouais, ça tombe petit à petit. Cette phase retour qui est lancée, cette équipe de Dumbéa qui est menée 2-0 face à Yengen Sport. On va revoir les moments forts de cette première période, là où Yengen a su faire la différence quand il le fallait. Jordi. Ouais. Pourtant, Dumbéa n'a pas fermé le jeu, mais c'est Roy Caïra qui a ouvert la marque. Ouais, avec un beau coup de tête, beaucoup de tête. Ça a bien servi aussi par Bertrand Caille, là, qui vient couper au premier poteau. Roy Caïra, pardon. Bertrand qui tape ce bon coup de pied arrêté. Après, Dumbéa a eu quelques occasions avec voilà cette petite balle en pichenette de Aïs Bolo qui n'a pas eu de suite. Enfin, ces coups de pied arrêtés. Bertrand qui tente la frappe, et c'est encore des occasions pour Yengen. Et le deuxième but, voilà, un peu litigieux avec une faute à la base, il me semble, sur Alex Bolo et Jean-Claude Lilic a bien suivi. Bien suivi l'action. Il y avait quand même contact. Et ouais. En tout cas, bah, voilà, il l'a laissé jouer. Juste là, c'était la faute. Et du bout du pied, superbe quand même ce que fait ensuite, malgré tout, Jordan Uchiha pour offrir ce but à Ili qui n'avait. Et des cages vides. Il fallait juste la mettre au fond. Plus qu'à, j'allais dire, pousser le ballon, mais il fallait quand même la mettre. Et puis cette grosse erreur inhabituelle, hein, quand même, de Sansou. Sansou, ouais, Alex Bolo qui veut tirer en force. Il l'avait pas vu, hein.
Non, ouais, c'est une erreur d'attention de Sanso et Alex Bolo qui se précipite peut-être. Ou... Et le retour en catastrophe peut-être qui l'a perturbé, celui de d'Equaré. Ouais. Peut-être un peu un manque de communication, c'est pas, on est un peu loin pour juger ça. Mais voilà, c'était une occasion de revenir au score qui a été manqué par Alex Bolo. Mais bon, c'était la première mi-temps. La deuxième mi-temps réserve d'autres surprises. Avec un terrain qui est légèrement humide. Donc la pluie a cessé de tomber. Et c'est reparti. C'est le deuxième mi-temps. Et une victoire de l'Ossi. Du côté de l'IFU. 1-0 face à Negeo. Il remporte le derby du district. Victoire importante hein, pour l'ASL. L'ASL de Jules Wakanomene. Qui retrouve donc le succès. Un but à zéro. Du coup, les deux équipes visiteuses qui se sont imposées là-bas du côté de l'IFU, Gaïcha et Lossi. Aimé qui passe devant, Aimé Caso. Il faut changer de côté, bien joué, Philippe Poisseau. Sur ce petit ballon cloche, tout de suite capté par Roy Kayara. Ouais, alors maintenant, c'est sûr que Yengen va peut-être être. Dans la gestion. Attention, c'est cette perte de balle. Jimmy Watou. Faut fixer. Oh, il y a à droite un boulevard. Jimmy Watou. Dommage, ouais. Il a bien fait. Il y avait peut-être ce ballon à décaler, non ? C'est bien ce qu'il a fait parce qu'il a profité de l'appel de Tiaou, il me semble, sur le côté. Mais il était tout seul. Il était tout seul là. L'appel de Tiaou. Alex Bolo. A embarqué le joueur. Et, ouais, mais après, il ferme bien après, Roy. C'est ouais, vrai. Roy, il ferme bien l'axe. Bel arrêt ensuite. Après, voilà, Rick. Frappe un peu trop molle. Trop sur le gardien. Un écrasé dommage. Encore une fois, oui. Après, c'est un Nikane quand même dans les buts. Un Rocky Nikane, donc ouais, il faut un peu plus que ça pour l'avoir, pour le surprendre, oui. Mais voilà une occasion. Une occasion pour ce début de deuxième période. À moins que Dembia a la capacité, ouais. Attention, faut vite donner. Tiaou qui se fait pendre. Tiaou se débarrasse du ballon un peu plus vite. Au milieu de terrain, surtout quand tu as un Sanso qui te harcèle. Emmanuel Kayara qui est pas loin. Il faut jouer ça, il faut jouer rapidement. Ah, cette équipe de Nembea qui a bien débuté cette seconde période. Alors sur les résultats du jour, ouais. Aujourd'hui on va suivre quand même cette action. Potiao qui va dégager. Yengen qui repère ce ballon. Ouais, c'est récupéré. Il faut pas le perdre. Issao qui essaie de mettre un peu de vitesse. C'est là. On s'applique. Ranach, dommage. Ranach qui a essayé de chercher son pied gauche parce qu'il est gaucher. Ouais. Et donc je disais, ouais, Jordi, sur les résultats du jour, on parlait de championnat serré. Alors, entre la 7e et 10e place, on a une équipe, Nejiwa à 23 points, Kouni à 24 points, Tiga Sport à 25 points et Wetch à 26 points. Avec Tiga qui, on le rappelle, a deux matchs en retard. Ah, que c'est... Ils sont toujours pas loin au niveau des points. Ça s'équivaut. Sur cette zone orange. Ouais. Dont on parlait avec John Gop, que l'on salue. Il est du côté de l'IFU. Attention, ce ballon. Vite mettre au sol. Attention. Ah, si ça commence à s'embrouiller. Ah, Jackie, il faut poser ça, c'est bien fait. Inané. Tout de suite compris, oui, Inané. Poser le ballon. Ouais, bien fait, Bolo. Ah là, Waiso, il s'est raté un peu. Ranach. Caso. Vite, Ranach. Il faut pas tergiverser. Ouais, il vient s'enfermer. Heureusement qu'il récupère la faute. Ouais, il y a deux des bleus qui étaient autour de Ranach. Là. Ouais, il s'en sort bien. Il a essayé de passer dans une petite. Un petit passage assez étroit. Il s'en sort bien. Il gagne la faute. Il va être encore. Frappé par le capitaine Jackie Wainane. Il s'occupe de ce coup franc. Sur tout le monde attentif. Ballon, bien parlé, ouais. On l'a entendu d'ici. Hein, l'a entendu. Quand on dit que la communication chez un gardien de but est primordiale. Ouais. Rocky Nikane, avec l'expérience qu'il a, maîtrise cette communication parfaitement. Bah oui, déjà, c'est un indice pour ses défenseurs. Et puis aussi, c'est l'ascendant psychologique sur l'attaquant. Hein, ouais. Tu vois un gardien qui sort et te hurle
sur la tête, oui. Tu réfléchis un peu. Une bonne sortie. Roy Kayarak anticipé. Ouais, toujours un petit coup d'avance, Roy Kayarak, à chaque fois. Il sait quand sortir, anticiper ce genre de ballon. Il le fait très bien. C'est pour ça qu'il a cette polyvalence à jouer à pas mal de postes. Il faut vite lâcher Arwan. On va perdre ce ballon. Un peu des risques. Arwan qui joue un peu avec le feu là. C'est Joyce Bojao qui va s'occuper de cette touche. Et ballon plein axe. Et Wachia qui arme. Il était vigilant, Robert Waitreux. Ouais, sur la trajectoire. Mais on voit quand même Jordan Wachia, ben forcément en confiance. De suite, prend l'information de sa position par rapport au but. Jordan Wachia qui est toujours sur cette liste de meilleurs buteurs. Il me semble qu'il est, il est premier. Wachia. Ouais, 11 buts. Ouais, toujours 11 buts. Comme on a un Germain et Wegené qui est sur la métropole, Wachia va essayer d'avancer cette longueur. Pour ça, il faut marquer. Allez, ballon. Côté droit, on retrouve l'axe avec Tiaou. Ah, c'est bien parce que c'est vrai que Roy sort beaucoup de cette ligne à 4. C'est bon, il est bon ce ballon, c'est un très beau ballon. Très bon ballon, attention, deuxième poteau, il est tout seul, la frappe, il a tenté, c'est mal négocié. Kayara, ouais. Il a oublié complètement Wachia à plein axe. Tout seul au plein axe, ouais. Il était tout seul. Ouais, Wachia, c'est Bertrand qui donne ce ballon. Magnifique. C'est un ballon parfait, ouais. À l'opposé, la diagonale. Et là, rien qu'un petit crochet, une passe. Ouais, et... un crochet, ça suffisait largement. Ça une petite passe. Oh, attention, bien joué, superbe. Manu. Il y a beaucoup d'espace. Il est bon encore ce ballon. Attention, Wachia va vite. Erwan Aoussou va très vite aussi. Ouais. Mais on a pu le voir. Wachia, hein. Accélère. Erwan, il a collé derrière. Ah, mine de rien, il va très vite. On va revoir tout ça. Bien arbitré. Ouais, hors jeu. Oui, Jordi, c'est vrai qu'on a un Roy Kayarak qui sort beaucoup de cette ligne de 4 là, qui met aussi la pression sur l'adversaire. Et là où il est intéressant d'El Kouaré, c'est qu'il compense tout. Il compense tout, voilà. Et on a quand même deux latéraux aussi qui resserrent quand il faut. Donc ouais, c'est plutôt intéressant cette ligne de 4 mise en place par Félix Tagawa aujourd'hui. Avec un Roy, j'ai envie de dire, un peu plus électron libre de cette défense. Mais oui, c'est comme à son habitude, Roy, ouais. Roy il veut tout faire. Quand il veut tout faire, il peut tout faire. Ce dont on parlait, c'était ses compensations. Ouais. C'est bien défendu de la part d'Aimé. Aimé Kazo. Donc là, le ballon est récupéré. Il faut trouver des solutions. Il faut faire tourner. Il n'y en a pas pour Tiaou. Ouais. Et c'est récupéré. Alors, quand même, on a vu ce reportage parole d'attaquant. Là. Ouais. L'émission proposée par la FCF TV Web avec Michel Mahé. Hein. Je ne présente plus Michel Mahé ni Ramon Djamali, mais. Quand on voit cette action d'Alex Bolo, c'est vrai qu'on a envie de dire. C'est des conseils, ouais. Placé avant tout. La finesse de Michel Mahé. Je pense que ces deux-là ont dû se gratter la tête s'ils voyaient cette action-là. Oui, oui. Ah, il faut poser le ballon. Il a fait ça. Ça se trouve. Allez, le jeu dans l'axe, ça passe avec Wachia. Attention, il y a un énorme boulevard. Kayara maintenant, au second poteau. Et le retour en catastrophe, heureusement. De la défense de Dumbéa. Allez, Watou, faut lâcher. Alors, faut pas se gêner. Ah, Watou, il va aller vite. Il va vite, Watou. Faut lâcher. Ah, bien fait. Ça passe. Bolo. T'attends du soutien. Bolo. Là aussi, c'est bien joué. Il arrive à trouver Kela. Bien joué. Kela. Là, c'est la suite. Là. La frappe et la passe. Et c'est le but. Et non, le but. Le but. Bien le joué. Le match est complètement relancé. C'est relancé, Adrien Kela. Cette frappe qui surprend Rockini Kane. Ouais. Battu sur son premier poteau. Parce qu'après, 53ème, 2-1. Bah, il la pousse dans son but, Rockini Kane. Il hésitait, hein, parce qu'Adrien Kela, il avait l'option Hanach en retrait. Et d'ici, on a vraiment cru que c'était le petit filet. Le filet extérieur, ouais. Extérieur. Parce que là, sur ce coup-là, Adrien Kela, il a bien joué le jeu. Et Rocky qui ferme mal son premier poteau. T'avais un Watou et un Hanach qui étaient dans le open penalty.
Donc, et ben voilà, 2-1, le match est relancé. C'est reparti. Attention, le leader sous la menace de Dumbéa qui vient de revenir à 2-1, à un but. Ah, et une faute de Yann Gainsbourg. Hranach. C'était un peu tiré par les cheveux cette action, mais Ewatu et Alex Bolo du bout du pied ont su créer le décalage. Voilà. Et forcément, bah, il faut des solutions pour White Out. Ça change la donne sur cette truc qui va. Physionomie de rencontre, Jordi, où bah ouais, Dumbéa va. Sur Erwan, va être gourmand. Il reste pour et retour Erwan. Toujours impressionnant sur ses retours. Attention Clarence Nipi, dommage, ce trou. Permet à Yengen de pouvoir voilà, récupérer le ballon et reconstruire tout ça. Ah, c'est bien joué en une touche, c'est bien joué. Ah tiens oui, il faut faire le changement de côté. Il y a hors-jeu. Ouais, il y a hors-jeu. Sur l'assistant qui n'a pas hésité. Et je parlais d'ailleurs Jordi de classement serré. Hein. Ouais. Pour l'instant sur la première partie de tableau, on revoit sur un jeu. Ah, on voit Joyce qui lève la main et demande le changement. Je pense qu'il a peut-être des douleurs au genou. C'est Roiné qui va rentrer. Un Roiné, peut-être un T1. Tijima. Dîner, enfin, ancien dîner de Tijima. Je peux... Ah, bah oui, c'est lui. Jordan Tijitma. Le retour aussi. Jordan, sorti d'Emmanuel Kayara et de Joyce Poggiao. Je disais, Jordi, hein, si on regarde au niveau des scores en attendant Yann Gainsbourg, Passo est deuxième actuel, hein, 34 points. Magenta, 33 points. Gaïcha, 33 points. Elle aussi, 32 points. Mondor, 30 points. Ouais, c'est... Ça fait un moment premiers, qu'on n'avait pas vu un classement aussi serré. 4 à la points fois dans la première partie de tableau, à la fois dans la seconde partie de tableau. Ouais, ouais. En sachant que certaines équipes ont des matchs en retard. C'est vrai. C'est un championnat qui est plein de rebondissements. Passionnant. Ouais. Et c'est vrai que par contre. Attention. Suivre Roiné, ce premier ballon. Le premier ballon très dangereux déjà. Ouais. Et il était. Pour être vigilant. Ouais. Roiné qui demandait le corner. Par contre, Jordi, pour l'instant, ça serait une sacrée opération pour les nordistes. Avec une victoire, ils auraient 4 points d'avance sur Passo, le deuxième. Bien joué, Hranach. La vitesse de Ouattou. Elle est pas sortie. Ah, la faute, je pense qu'il va la siffler. Ouais, bien joué. Bien joué, Ouattou qui fait usage de sa technique. Ce qui fait, Jordi, qu'il creuserait un peu le petit écart devant avec... 4 victoires, 5 points d'avance sur le duo Magenta Gaïcha et 4 sur le. Une victoire de Yengen passerait à 38 points. Ouais. Ouais. Alors on voit Ouattou qui utilise sa vitesse, sa technique, qui s'en sort bien, qui récupère un coup franc, qui va être tapé par Alex Bolo. Bolo. Tapé au premier. Bien fermé là par Kayara. Roiné. Récupère ce ballon, bien fait. Bien taclé. Kayara. Avec Boineau. Là aussi, c'est bien fait. Ça aère le jeu. J'avais pas vu que c'était trop long, malheureusement, ouais, pour Yengen Sport. Ah, il aurait dû lui donner avant, Roy. Attention, ouais. Et la faute sur Kayara. Ouais, Roy qui demande le carton. Il demande à l'arbitre de sortir le carton. Ouais, belle semelle sur Roy. Attention. Dangereux ce genre de faute. On est à l'heure de jeu bientôt. Et ce score de 2-1. Yengen Sport et le DFC, Dumbéa FC qui peut y croire après notamment cette réduction du score, la tête de Sanso. Attention Bertrand Caille, t'es en bout toujours de course à la fuite, ouais.
renvoie. Long ballon, forcément la tête de Sanso. Et ouais, il a été heureusement c'est juste, ouais. Ciao. C'est ce pour le gêner. Cette petite finition qui lui manquait, mais on voit, on sent l'expérience. On passe derrière le défenseur, on attend le bon ballon. Ouais, dans le bon tempo, tout dans ça. Le bon tempo, timing est parfait. Ouais. Voilà, c'est juste la petite finition qui n'était pas au rendez-vous, mais on sent l'expérience de Monsieur Kai. Du coup, qui est un peu passé en pointe. On a les deux flèches aussi sur les côtes. Bref. Ouais, le trio Wachia, Kai, Rohine, c'est niveau vitesse, on est pas mal. Ah, c'est ça va vite là, à devant là. Attention à Dombia qui obligatoirement va un peu se livrer pour tenter d'égaliser. Essaye de sortir comme ils peuvent. C'est Winane qui s'occupe de la prise de balle. Ah, dommage. Dommage, je t'en ai pas bien compris. Winane qui va chercher le confrère Wichi à l'autre côté. À la montée d'Aosu, il a vu de l'autre côté Hanac, il a fait la demande de la main. Ouais, il était hors jeu. Signalé. Tijitma, donc Jordan qui est passé dans l'axe avec Roy et puis Décoiré décale Jean-Luc couloir droit de cette défense. Norbert Bonou qui vient d'être averti. Ouais, ça cherche toujours. Monsieur Sanso. Voilà, on joue au sol, dommage. Attention bon ce ballon, bon ballon. Avec Wachia, Jordan Wachia. Heureusement, une sortie de Waitre, le meilleur buteur de Super League actuelle, stoppé. Heureusement pour Dombea par le portier, le gardien qui était vigilant encore une fois. Ouais, la bonne sortie. Et on voit Sanso hein, qui est très haut sur le terrain et ça voit tout. C'est aussi intéressant Jordi parce qu'il aspire aussi ces deux récupérateurs que sont Waiso et Landry Tchaou. La vitesse d'Adrien qui est là. Il arrive à la mettre. Hanach, attention. Dommage, le contrôle. Le contrôle Hanach. De Hanach, il n'est pas. Héroï Kaira qui allonge. Ça joue, Waiso qui est surpris, qui tourne le dos au ballon. C'est bon, il s'en sort bien. Bien joué Waiso. Il dirait qu'il boite Philippe Waiso. Peut-être un petit pépin, un petit bobo. Ah, il y aura un changement. L'entrée. Ouais. Il me semble que c'est Philippe Waiso qui a mal quelque part. Ouais, et puis c'est Hirotaua Roa qui va rentrer. À place de. Ah non, c'est Hanach qui sort. Ouais. Une crampe pour, je crois, le numéro Watu. 11. Watu, c'est vrai qu'il a beaucoup couru. Ouais, il a beaucoup couru. En tout cas, c'est Hanach qui sort. C'est Hanach qui sort. Voilà, ça repart, rien qu'est là. La vitesse de Clarence Nipi, qui la met du premier attention. Hein, attention, Yengensport. Bah, Yengensport qui reste un peu passif. Pas de, pas de là, course. On saute les lignes, hein. Littéralement, ouais. On cherche la vitesse dont on parlait des trois devant. Peut-être oui, falloir reposer attention, un peu attention. Le ballon sur le pied sur le ballon. Belle sortie. Il sort serein. Voilà, ça c'est bien fait. Il y. Et ça permet de combiner avec maintenant l'arrivée de Rohine qui a trouvé Jordan Wichia. Attention. Attention à les relances. Ah, Bertrand Kai qui va armer la frappe. Et on demande une main. Oui, il était un peu loin de l'action là, monsieur l'arbitre. Oui. Après, Erwan est toujours. On revoit. Hein. Dans les interventions un peu rocobolesques, mais. Ah, déjà celle-là. Dans les mains. Ouais, il y a une main. Il y a une main. Le bras qui
Et le bras d'appui, il amplifie un peu sa surface corporelle. Ouais. Sur notre analyse en tout cas. C'est ce qu'on voit à l'écran. Attention, Bertrand, qui les frappe très bien. Le poteau. Sanso. Après, il faut savoir que les arbitres calédoniens regardent les matchs. Les plus experts. Pour apprendre de leurs erreurs. C'est vrai qu'ils viennent me voir de temps en temps et me dire oh, ben, ouais, vous êtes trompé, vous les commentateurs, donc okay. Ça nous arrive. De toute façon, c'est donc on écoute en apprentissage constant leurs conseils et puis leur parfois leurs explications, ce qui est intéressant aussi d'avoir un regard expert. Mais c'est vrai que là Watou, il faut lâcher voilà. Et Watou est intéressant hein, Jimmy, quand il lâche son ballon, c'est voilà. Vraiment un bon joueur. Il peut faire de beaucoup de différence quand il lâche son ballon parce qu'il peut allier vitesse et technique. Il faut voilà, faut lâcher très rapidement. Voilà, comme il faut. Pareil pour Hiro, c'est le même cas de figure pour Hiro. Si ces joueurs-là arrivent à lâcher plus rapidement le ballon. Et on voit quand même Jordi, hein, cette équipe de Yengen. Bon, je disais qu'il saute les lignes, on trouve plus du tout ses relais au milieu de terrain. Ou très peu. Ouais, ils sont moins visibles. Ouais, alors peut-être qu'on va jouer les contres à fond. Après, voilà, ça essaie de. C'est un BA de s'adapter à ça et de. Trouver cette zone dans l'entrejeu là où pouvoir orienter ses ballons. Ouais, cet entrejeu qui a du mal à se trouver. Après, ils savent qu'ils ont de la vitesse à l'avant, donc on essaie d'exploiter les Roiné, les Wechia, les Kai. Nipi. Ouais, de... Clarence Nipi, l'entrée de Loajia, Christian. Christian, ouais. Ah, y a de la fatigue, mais. Ouais, Philippe Oisso aussi qui sort. Entrée de Emilien Kochawa. Iso qui se plaignait de petites douleurs. C'est Emilien qui a le numéro 12. Ouais, Emilien Kachawa. J'avais le numéro 15. Heureusement, tu les connais par cœur, c'était coéquipier. C'est ça. Kachawa, donc qui a fait son entrée. Adembea qui est sur une bonne transition là. Une bonne phase de jeu depuis ses 15 dernières minutes. Voilà, il y a Yengen qui sont un peu trop passifs là. L'image, Watou qui accélère devant Illy, peut-être après la fatigue. Ah, une main. Ouais, oh, attention. Encore une main vue, on a vu encore une main, mais pas sifflé, pas signalé. Ok, là, mais par-dessus. Donc, essaye, deuxième ballon, c'est là le deuxième ballon. Ouh là là. Ouais, belle parade. Ça continue, c'est pas fini. Oh là là. Il y a encore une main, j'ai l'impression qu'il y avait une main. Ouais, ça c'est. Ils s'en sortent bien, hein? Ouais, ils se sont bien, oui. Là, Yengen s'en est bien sorti, ouais. Et ça repart très vite devant. Le Tchia qui s'est trouvé son compatriote Roiné, d'autre côté. Et de là qui se cherche sans arrêt sur le terrain. Héro. Ouais. Lâche le ballon. Trouvé sur un os, là, avec. Ouais. Quarré. On revoit, ouais. Jordi, cette action un peu. Confuse. Bolo qui la frappe, l'arrêt de Nick Kane. Et puis là, on se parle pas du tout. C'est une erreur de communication qui a fait coûter cher avec cette belle arrêt, ce bel arrêt de Rocky Nick Kane. Ouais, c'est Ami. Fais attention à cette touche rapidement jouée avec Ami qui s'occupe de cette touche. Il veut jouer rapidement. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti. Ça, Bolo. Voilà, Watou, il faut faire la bonne course. À Bolo, il faut lever la tête. Si vous voulez aller vite. Ah non, il va s'en. Ah, il a poussé un peu trop loin. Okay. Et bien fait. Jima anticipe ça très bien. Ah, le pressing Hiro. Hiro qui le fait bien. Et encore Watou. Il va faire travailler sa technique et voilà, il s'en sort très bien. Oh. Ça joue. Ah non. Avec coup franc. Ah, il met la faute. Ah, Watou qui fait encore travailler sa technique. Tac, le double contact. Il est bien fait. Passement de jambe. Ah, ouais, il y a faute. Passement de jambe, il embarque la jambe d'appui. Watou, c'est un joueur intéressant. Je lui ai déjà dit directement qu'il peut faire de grandes choses, mais il faut essayer de libérer le jeu. Jouer simple. Simple, ah voilà, bah, tout simplement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a pu le commenter, on l'avait souligné, notamment avec John. Ouais. S'il joue beaucoup plus simple, vu la vitesse et la technicité qu'il a, il peut débloquer pas mal de situations. Après, c'est des jeunes joueurs. Ils sont encore en plein apprentissage. En tout cas, suivre Jordi ce coup franc intéressant.
Et ce contre, oh le contre, attention, c'est du 4 contre 3 et quand là. On connaît la vitesse des joueurs de Yengen Sport devant, ça peut faire mal avec Bertrand Trancaille. Attention les départs de course. Oh, bon retour de Thiago. Bon retour. Ah, là il faut travailler, il faut voir. Là il y a Mikazo qui va aller au pressing. Il faut que l'équipe de Dembia suive parce que là, trop d'écart entre les lignes. Parce que là Roy avec sa capacité à trouver les intervalles. Ouais. Alors, vigilant et en difficulté. C'est un match qui part un peu dans tous les sens. C'est bien, comme on aime ces fins de match quand on en voit souvent en Super League. Shaqiri Oinane qui fait une petite faute sur son saut. Elle sourit un peu. C'est pas énorme. Ça va d'un but à l'autre. On est passé sur du jeu vertical direct des deux côtés. On cherche la vitesse des hommes devant. Ouais. Les percussions. Et Ouais, parce que des deux côtés ça file. Witchy a un ami Oinane de l'autre côté, on voit tout l'autre côté avec Adrien qui est là, ça file quand même pas mal des deux côtés. Ouais, Bolo, Alex Bolo, très présent. Et on joue la 70e avec ce coup franc tiré par Oinane. Attention le vent. C'est un peu long, c'est une tête... Ouais, sorti. Malheureusement c'était sorti pour Yengen Sport. On voit Oinane. Ouais, c'est joué rapidement. Du pied gauche. Il a les deux pieds, notre ami. Ami. Oui, Oinane, Ami, je joue sur les deux pieds. Oinane. Facile. Attention, c'est perte de ballon, Jackie dans l'axe. Kai, c'est bien fait, ça en première intention. Attention. Oinane, la volée. Oinane, il en a déjà mis des buts comme ça. Première attention comme ça. Il en a déjà mis, ouais. Pied droit, pied gauche, dedans, dehors de la surface, il est capable. Bon ballon de Bertrand qu'il a trouvé sur Oinane. Louadjia qui essaie de trouver Hiro. Hiro voilà qui joue simple. Et c'est encore Tijitma qui compense et qui voilà, faut avancer, faut accélérer. On relance mal. Bolo, Alex Bolo. Il y a de la solution, des solutions dans l'axe. Watou. Attention, il faut lâcher Thiago, attention. Bien joué. Voilà, en une touche, c'est bien ce qu'il fait Louadjia. Là, il faut s'appliquer pour le centre. C'est ce qu'il fait. Dommage. Il n'y a pas de possibilité de rabattre, de mettre de la force dans cette tête. Ouais, dans l'idée c'était ça, voilà, c'était la finition qui est pas concluante, mais dans l'idée c'est ça, voilà, cette touche directe de Bertrand Caille sur Oinane qui la prend de plein fouet en volée. Mais encore du changement. Ah voilà l'entrée du petit Nolan. Nolan Alebat. Ah voilà, la petite coqueluche de Yengen Sport, ouais. Joueur espoir du football calédonien. Petit Nolan qui partira bientôt. Nolan qui commence à gagner du temps de jeu. Ouais, et puis Nelson Kai aussi qui rentre. Nelson Kai aussi qui fait, ça va faire son entrée. L'un des buteurs du jour, Ili qui cède sa place. Oui. Tout comme Kayara, Gianni. Gianni qui a fait un bon match, Ili buteur. Il sentait Ili un peu fatigué sur cette fin de temps réglementaire. Il sentait un peu fatigué. Mais ça laisse du temps de jeu pour eux, pour Nolan. Nolan Alebat et Nelson Kai. Ils en ont besoin. Tout ça, c'est des jeunes joueurs. Oui, puis on rappelle qu'il y aura cette Coupe du Monde U17 en fin d'année. Pour Nolan Alebat et les autres. Justement, oui. Nolan Alebat, on le retrouve là. Il est. C'est bien joué ce 1-2. Hiro, faudrait faire une première attention, c'est très bien fait. Devant bien joué, Hiro. Vis-à-vis. Première attention. Il gagne le corner. Et donc forcément Jordi, ça sera un moment fort du football calédonien, deuxième Coupe du Monde de la FIFA à laquelle participera la Nouvelle-Calédonie après celle en 2017 du côté de l'Inde. Ouais. Là, c'est toujours une fierté ces jeunes joueurs qui partent pour des compétitions de ce niveau. Second poteau, attention, ce ballon, faut le. Le beau contrôle, sortir de la zone dangereuse. Oh là là, quel Sion, ouais, ciao, il a vu. Quel enchaînement. Bien anticipé. Voilà, on est sur ce qu'on disait, Jordi, ce jeu direct où clairement Yann Gam se met en position de. Ouais, on saute les lignes. Hein. Contre-attaque, transition rapide. Ouais, on essaie de trouver la vitesse devant. Voilà, pour aller tenter de breaker face à une équipe qui court après le score, c'est celle de Dombea. On voit Dombea là qui peut aussi trouver une supériorité numérique. Kachawa. Sur le côté droit, c'est assez compliqué. Dommage. Là, c'est une touche.
Ah, dans ce cas-là, la touche, elle est très mal placée pour Young Sport. L'équipe de Dembéa devrait monter pour effectuer un pressing haut. Après, c'est vraiment suivant l'état des joueurs, la physionomie du match, l'état de fatigue. Là, on peut voir, ils sont déjà haut. Ils font le pressing, justement, parce que cette équipe de Yengen a une touche qui est dans leur camp, très basse. Pressing peut être concluant, voilà. Pas qu'il se retourne. Marquage à culotte des Mekazo, bien fait. C'est encore la touche. Ah oui, il récupère une touche. Et bien joué. Là, Yengen, il faut être en place. Bon tac de Nelson. Allez, Bolo, pris par Sanso. Ça reste pour Dembéa. Eh oui. Dembéa qui vont rien lâcher, qui vont tenter de. Allez, dans ce dernier, on est passé dans le dernier quart d'heure, j'en dis d'ailleurs. Ouais, ça va vite. Ben voilà. Un quart d'heure pour revenir à la marque. Un peu plus peut-être et sûrement avec. Erwan qui va sûrement la jouer longue. Traditionnel. Qui est là. Watou plein axe. Watou qui décale côté Watou, droit. C'est dommage. Ouais, il ouais, faut qu'il laisse filer ça. Norbert, voilà, Bonou tranquillement. Ah, dommage. Il y avait de l'idée. Là, Yagan, il subisse un petit peu. On voit l'image. Bertrand Kai, Cédric Sanso, donner un peu de directive au petit Alébat. Petit Nolan. Petite pépite de Yengen Sport. Il y en a d'autres, hein. Manuel, Kayara, Dan, Chaiwe, tous ces petits jeunes joueurs qui sortent de l'ombre. Qui viennent, voilà, qui viennent côtoyer le haut niveau calédonien, c'est super ça. Ouais, et puis c'est forcément des moments importants dans une carrière, ces premiers matchs en senior, il y a là, peut-être ouais, une main. Il y a une main, il y a une main. Dommage que l'enchaînement ensuite était parfait. Ouais, c'était bien joué après, dommage qu'il y ait une main juste avant. A noter Jordi qu'il y aura deux week-ends ensuite sans match, hein, sans compétition Super League en tout cas. Un match de rattrapage, un match... Il y aura juste ce match en retard de, Tiga, et Tiga Kuni hein, qui donnera le coup d'œil de la cinquième journée. Nous, on se retrouvera ensuite le 24 juin pour la 13e journée. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, Nolan allait battre. Nolan à l'image. Nolan. Festival, ça permet maintenant de décaler Roiné. Wachia au duel avec Erwan. Aousou, encore excellent. Toujours difficile à passer ce Erwan. Ah oui, il est dur au duel. Hein. Défensivement, hein, mais il va vite. Il va vite, c'est tout. Erwan, très costaud physiquement. Non, mais en 1 contre 1, c'est un des tout meilleurs défenseurs ouais. calédoniens. 1 contre 1, c'est rare, difficile de le passer. Ouais. Bon défenseur. Et donc Jordi, on se retrouvera le 24 juin sur Pacific Plus et la FCF TV Web. 13e journée de Super League. L'OSI Mondor, Tiga, Nejiu. L'OSI contre Mondor, Tiga contre Nejiu seront les deux prochaines affiches télévisées. C'est la première fois qu'on commentera l'équipe mondorienne de l'AS Mondor. Ouais, qui joue. Qui a fait tous ses matchs allés au Mondor. Pour, qui a joué à domicile de travaux. Tous les matchs allés, ouais. Je crois que les travaux ont même pris du retard. Donc au final. Voilà, ça sera en tout cas l'occasion de découvrir l'équipe à la télé de Patou Diéké. Oh, allez, bat. On vient de mettre de mystifier ouais. son. Vis-à-vis. Faut se parler. Ça se parle pas. Roiné. Roiné qui aurait pu contrôler, qui aurait pu la pousser, hein, mais il a essayé de la mettre en une touche. Ouais, mais ouais, après, c'est défensivement, là, Tiaou et Akela, il fallait se parler. Et beau travail de Alébat. Nandolan, il a fait le travail. Là, ça se parle pas. Et on parle qui... de détails, c'est vrai. Que ouais, c'est ce genre de choses. C'est dommage que Dumbia prend beaucoup de buts sur des erreurs comme ça de. Ouais, c'est souvent relance, ça. De relance ou de communication. De communication, de concentration, de. Le petit détail, une passe, un contrôle. Après, quand ça paye cash. Voilà, il est pas en il est jeu. Bon. Il est bon Jimmy ce contre. Watou. Il est bon ce contre. Jimmy Watou qui. Ouais. Et le bon retour de Tijitma et Roy Kaira. Boinou qui sauve la touche, bien fait. Kai. Et voilà, on va repartir tranquillement en phase. Et un Watou. Possession et de construction. Jimmy Watou qui sort du terrain. Ouais. Et une blessure. La Dembéa qui joue à 10. Tout à l'heure, il avait déjà des crampes. Ça, ouais, peut-être une crampe. Donné, ouais, il est en train de. Ouais, encore une crampe. Attention, oh il a là, attention, Jackie. Ballon perdu du 4 contre 3. Oh là là, il se fait allumer. Une énorme attention, faute sur le faute, jeune Alébat. Il y a une faute là, Keiko. Ouais, Ogia.
pense qu'il va être sanctionné. Il y a une faute sur Alibat, sur Nolan. Mettre le carton. Il peut prendre rouge, hein. Attention. Ouais. Normal. Attention, c'est... On va revoir cette faute. Ouais, une belle faute sur Nolan. Nolan, il prend Nolan, cher. Le week-end dernier, déjà, week-end dernier, il a ramassé. Et là, attention, c'est... Revoir, hein. C'est ça, jeune ça aurait joueur, pu là, mériter rouge. Parce que le tacle est complètement en retard. Bon, il vient s'excuser, hein, forcément. Ah, week-end dernier aussi, là, il se fait découper par... Non, c'est Juan, hein, par Watron. Ah, c'est rouge. Aussi comme ça qu'on apprend, hein, c'est-à-dire sur... Ah oui, grosse faute. Pas du tout le ballon, là. Non, non, Louadria, oui. Christian. Bon, ben voilà. On apprend dans le dur quand on est jeune, j'en dis. On a tous connu. Surtout quand ces jeunes joueurs-là qui sont très à l'aise. Ces premiers matchs en c'est senior. Frustrant. Là. C'est frustrant pour les autres équipes. Ces petits jeunes-là, qui sont très à l'aise techniquement, qui vont vite. Donc la tête, après, c'est. Ça monte très vite. Là, il était à deux doigts de l'exclusion. Mais voilà, c'est ça, c'est dangereux parce que. C'est des jeunes joueurs, il y a des grosses compètes et voilà. Pasil là qui va rentrer. Pasil, oui. Ah ben c'est Watou qui est sorti. Des crampes là-bas à l'opposé du terrain, il a tout donné. Ouais. Bien joué. C'est un corner. Tapé encore par Bertrand Kai, donc à être vigilant d'MBA. Sanso, très bon de la tête. Roy Kayara aussi, très malin dans ses courses. Déjà buteur lors de la première période. Ah, la combinaison. Combinaison. Nelson Kai. Tijitma, ballon perdu. Ouh là, c'est un peu brouillon. Et Wano qui intervient. Ruiné dans l'axe. Sur Bertrand Kai. Frappe de Bertrand Kai. C'était bien frappé. Heureusement qu'il était sur la trajectoire, Kazo. Et la belle sortie de Kazo. Et Kai encore qui revient défendre. Il frappe. Et il est là pour défendre. Ouais. Bertrand Kai qui va sur ses 40 ans. Et il les fait pas. Toujours en forme. Cette grande image calédonienne là qui va sortir sûrement sur eux. Ouais, très bon match de Bertrand. Sur les applaudissements du public. Poili. Christian. Oui. Christian Poili qui rentre, oui. Ah, ça crie un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est le nombre de changements. Problème. Je vois Félix Tagawa qui demande de revoir le nombre de changements. Ah, pas respecté, je sais pas. Il y a 5 changements en 3 temps de changement désormais. Depuis. Je pense que l'arbitre de touche l'a signalé à l'arbitre central que tous les changements étaient utilisés de la part de Félix Tagawa. Mais Félix n'est pas de cet avis. Ouais, c'est des jeunes arbitres. Félix est un ancien, donc laisse le choix de juger. À l'image, on ne voit plus. Félix Tagawa qui est rentré sur le terrain, complètement. Ouais, là il peut être il est pas content. D'ailleurs, mais... Ouais. À l'image... Énervé. Ouais. Et alors, si on refait les... Parce que visiblement, c'est sur les changements qu'il y a un souci. Oui, c'est sur les changements. Bertrand Kai n'est pas sûr de regagner le banc. Ou je sais pas si il regagne le banc côté de Émile Berrounet. Fait signe là. Bah, en tout cas, tous ces remplaçants sont rentrés. Maintenant, le souci, apparemment, c'est sur les temps de changement. Attention, bien joué, Winane. Ah, c'est bien joué, c'est bien ressorti. C'est là, il faut pas le perdre. Carte de l'autre côté. Facile, attention les contrôles, ouais, ça c'est des petits détails là. Un bon ballon. Ah, voilà, ça y est, ça perd. C'est ces petits détails là qui sont. C'est des vis pour cette équipe de Dembia. Les contrôles, les passes. Pas grand chose.
Après, au fur et à mesure, c'est frustrant. Voilà, la touche, Banou. Faute. Ouais, ça s'anime, oui. Ça se tend un peu sur cette fin de match. Oui, qui subit une faute de Passil. Passil qui vient de rentrer, tout frais. Il y va dans son match et il prend un carton. Ouais, je pense que le carton est un peu sévère. Il vient de rentrer. Première faute. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas allé de main morte. Roy l'avait déjà éliminé, mais je pense que le carton est un peu sévère. Il reste 5 minutes, Jordi, dans le temps. Ouais. Réglementaire. Et on va allonger Rockini Kane. Voilà. En tout cas, le chrono qui tourne forcément à la faveur du leader. Qui pourrait prendre 4 points d'avance sur le second aujourd'hui et sur cette entame de phase retour. Ah, voilà, ces ballons-là. Là, il faut être dessus. On va voir si tu as bon contrôle. Wichia. Bien pris par Caso. Ouais, très bien pris. Bon contrôle juste avant de Wichia. Et bien cerné par Caso qui se jette pas. Là qui fait le bon tac, le bon geste. Face à ces joueurs là qui vont toujours très vite. Compliqué de défendre contre ces joueurs qui vont vite. La touche décoirée. C'est la longue touche. On a l'habitude. Balou, Jean-Luc Décoiré, va nous mettre une longue touche. Ah non, ça joue quoi? Voilà, il a feinté. C'est une feinte. Décoiré, bien joué. Second poteau, il y a Sanso. Oh, c'est bien fait avec Kroiné qui était à l'affût. Et encore Erwan qui est toujours. Pompier de service, Erwan. Ouais. Cette défense de MBA, Roy Carra qui. Son rôle, Roy Carra qui met l'épaule. Autrement. C'était mis un peu en danger. Il s'est bien rattrapé. Ah, une faute? Il faut se parler. Oui, trop bien fait. Ça repart avec le ballon. Ouais, mais défendu. Pour l'instant, il y a Yengen qui tient. Donc, cette 8e victoire en 12 rencontres, Jordi. Ouais. Ils sont pas à l'abri encore. Non. Il reste quelques minutes. Il faut y croire. Côté Dumbéa, il faut tenir côté Yengen, voire breaker. Rebriqué. Encore ces erreurs de passe, ces petits détails encore. Ah, le bon pressing. Kachawa qui obtient la touche. En tout cas, il va falloir maintenant plus trop calculer. Hein. Côté Dumbéa, il reste peu de temps. Ah, c'est bien fait, ça. Rockini Kane, ce ballon qui est sorti. Ouais, 6 mètres. Il est sorti déjà. La sortie de but pour Rockini Kane. Kane qui va la jouer longue. Essayer de chercher Sanso. Allez, c'est un ballon plein axe. Wadia bien fait de la tête. Tijitma. Ikaira sous la menace. Sécurité. Chandelle. Et Boinou qui intervient. En tout cas, Dumbéa aura fait une belle partie. Quoi qu'il arrive sur ce résultat, il faudra qu'ils s'inspirent de leur performance du jour. Ouais, belle performance. Cette deuxième partie de saison. Rouiné qui tient debout malgré un croc en jambe. Rouiné qui fixe, Rouiné qui va vite, et très voilà, vite. Erwan. Superbe encore à Oussou. Un contre un. Dur, il n'en perd pas beaucoup d'un contre un. Ouais, dur. Oussou. On le répète, mais c'est vrai qu'il est difficile à
Pareil pour une année, anticipation, ouais. Il le fait bien. De toute façon, bon, c'est vrai que ça va tellement vite en face que... Oui, les bleus, ça cavale. Ah, c'est là qu'ils vont mettre le pressing. Serein. Ah, un peu long, dommage. Héros, il va se faire prendre par Nelson, bien joué. Et voilà, comme on disait, on saute les lignes maintenant. On cherche duo désormais. Rohine et Wachia. Puis derrière, on est au second ballon. Ah, bon, au costaud. Et encore Arwan qui anticipe. Et puis il poursuit sa course. Pas envie de mettre son sixième but aujourd'hui. Erwan. Il a démarré le compteur. Ah, quand et quand on a goûté au but, à la joie du buteur. Bah, il a faim, Erwan. Comprendre. Attention, parce qu'Erwan est monté. Et oui, effectivement, mais il est encore là dans l'axe. Mais il y a de l'avance pour Wachia. Et puis à l'opposé, il était seul, ruiné. Nelson Kai qui n'a pas pu le trouver. C'est bien joué, Adrien Kella. Il est venu en compensation. Là. Darwan, bien joué, une touche, ça. Là maintenant, super. Bien joué, il fallait doser. Et Roy Caillera encore là. Roy Caillera, il... un bon match, Roy. C'est très, toujours un bon match. Roy, bah, qui crie un peu, motiver l'équipe, commence à baisser le rythme. Faut pas, on est rentré déjà dans le temps additionnel. Et ouais. 50 secondes, ouais. C'est plus beaucoup de temps. C'est les derniers espoirs là pour Dumbia, les dernières cartouches comme on dit. Pour tenter de revenir au score et d'aller chercher le nul face au leader. Attention, ce qui va très très vite. Mais Erwan encore. Il est impressionnant par moment. Erwan, il maîtrise cette défense là. Un contre un. Très très difficile. Ouais, mais là de toute façon, il faut y aller. Hein. Faut y aller pour Dumbia. Plus de risque, balle. Mais forcément ça permet à Rohine peut-être d'aller définitivement tuer ce match. Et l'arrêt de Whitereux. Bien joué. Et c'était encore Aosu qui était là pour le gêner, mais on revoit. On pensait qu'il allait pouvoir aller un peu plus fixer le gardien, Ami. Il voulait mettre au petit filet. Rohine. Décoiré avec son portier, Nikane. L'allonge. Allez, batte de la tête. Battu. La main, ça joue. Ouais, non, ça joue. Oui, une main, ça joue. Jouer, ça joue, ça joue. L'arbitre fait signe de jouer. C'est un peu brouillon. Carté sur les côtés. Ok, là, qui va accélérer. Qui est passé. Il est passé, le corner. Une touche. Un corner. Corner. Ouais, corner. Coin et bah, c'est. Ça va être. Peut-être la solution. Peut-être la dernière opportunité pour Dumbia. Je pense que ça va être la dernière action du match. Ouais, faut s'appliquer. Ouais, c'est Hiro qui va s'en charger. Son pied gauche. Ah, il y a Jackie qui est monté. Oinane. Christian Lovagia aussi qui est bon de la tête. Attention les bleus défensivement. La tête de Sanso, allez la volée. Ah, il écrase sa frappe, c'est pas fini. Et ouais, une année qui donne rien. Un corner et ouais. C'est heureusement pour Dumbia, heureusement pour l'équipe nordiste. Peut-être que ça va se finir là-dessus. Ouais, donc monsieur Pougin qui regarde sa montre. Ouais, on le voit regarder fortement sa montre, monsieur Pougin. Long ballon, plein axe. Sans saut de la tête. Wainane. Ah, ça passe. Kiro. Donc, il la met. Ah, c'est mal donné. C'est dommage. Ça fait perdre. Ça fait gagner surtout de précieuses secondes. Bah voilà, Rocky, il va pas se passer. L'expérience, ouais. Il va gratter les minutes. Ah, c'est bien joué. Ouais. Allez, attention parce qu'il y a quand même cette loi du jeu où il a quand même 6 secondes pour relancer.
Ouais, il vient de gagner 2 minutes. Ouais. C'est pour ça que chaque ballon est important maintenant pour Dumbéa. Ah, je crois une faute. Une main. On entend Jean-Paul Cureau, président. Dumbéa qui n'est pas content dans les tribunes. Ça monte un peu le ton. Ça sent le carton. Décoiré qui l'a pris. Un carton jaune. Je pense que là, ça va être le dernier, dernier ballon de cette rencontre. Ouais, faut envoyer, il faut mettre tout le monde devant là. Il faut envoyer un long ballon là, côté Dumbéa. Il n'y a plus rien à perdre. Ouais. Depuis 5 minutes. Il faut que tout le monde y aille. Hein. Attention, Yangen. Va prendre deux buts sur ses dernières secondes. Allez, s'appliquer pour Wainane. Jackie qui va chercher dans la boîte. Allez, mettre un peu le feu sur cette dernière action peut-être. Il est bon. C'est bien tiré, mais qui est l'ascenso. Allez, il faut être au deuxième ballon. Kela. Kela qui va remettre dans la boîte. Cherche le 1-2. Il a défendu. C'est Pouzjean qui laisse jouer. Qui a regardé sa montre il y a quelques minutes, mais qui laisse jouer encore un peu. Coup franc. Coup franc pour les Verts. Dumbéa. Ben voilà. Encore une occasion de but. Voilà Jean-Luc Décoré qui a pris un carton jaune. Qui avertit. Ouais, on va monter. Oui, c'est un joueur de tête, la faute. Allez, montez. Allez, il faut que Wainane soit costaud, faut que Dumbéa y croit. Là, s'appliquer sur... surtout, ouais. S'appliquer cette surtout sur cette fois. Dernière, certainement, opportunité de venir égaliser. C'est bien tapé. Bien tiré, mais sans saut forcément de la tête. Et le contre. Attention. Oh, le contre, attention. Ah, superbe ça. Ciao. André, ciao. Ça, attention. C'est moins bien joué avec maintenant Roené. Et heureusement qu'Ella était là. Ah, ça sent le chaos. Ça sent surtout la fin dans cette rencontre. Et voilà. Et voilà, monsieur l'arbitre, monsieur Pouzjean, qui renvoie les deux formations au vestiaire. Et ce bon résultat du leader, Jordi. Yann Gainsport qui fait le boulot, comme on dit, et qui prend de l'avance au classement avec eh bien, cette 8e victoire de la saison. Yann Gainsport à 38 points et relègue le deuxième pour l'instant actuellement, Horizon Passo, à 4 points déjà. Ouais, il conforte cette place de leader. Dumbéa qui n'a pas démérité, qui s'est très très bien battu avec des occasions, on va revoir là, des occasions manquées. Voilà les highlights, les moments forts de cette rencontre avec ce but de Roy Caïra qui se mue en buteur là sur... cette tête bien coupée au premier poteau, bien sentie. Et cette passe décisive de Bertrand Caille. Ça faisait 1-0 pour Yann Gainsport. En tout cas, Dumbéa, on le disait, n'aura jamais fermé le jeu. Ils auront tenté, joué de l'avant. Cette équipe Dumbéen. Voilà, sans jouer timoré. S'exposant malgré tout à la force de frappe forcément de Yann Gainsport. But et ça va faire 2-0 ouais. Avec ce but du break de Jean-Claude Illy. Ouais, Jean-Claude Illy qui a bien suivi. Bertrand Caille qui. Quel ballon. Donne ce bon ballon, ouais. Ah, il y a effectivement voilà, un contact. Après, litigieux ce contact. Après, c'est l'arbitre. Et après, Illy qui ne tremble pas. 2-0, c'était forcément un peu moins bien engagé juste avant la mi-temps pour Dumbéa. Et puis cette occasion ratée là. Après c'est bien Rocky, tu vois, il attend le dernier moment, il donne pas d'indication à son adversaire. C'est ce qu'on demande au gardien. Créer l'incertitude chez l'attaquant. Watou aurait fait un bon match. Watou a fait un bon match, ouais. Il est parti jusqu'aux crampes. Donc il a fait un très bon match. Ce bon ballon là de Bertrand Caille. Après, c'est vrai qu'en seconde période, on était un peu plus sur du jeu direct, sur du jeu vertical. La recherche de la vitesse. De la vitesse. Ouais, c'est ça. Et Dumbéa, en tout cas, qui n'aura jamais rien lâché. Ils ont bien fait d'y croire parce que. Pas ce but. La réduction du score qui est là.
Ouais, il était tout seul même dans l'axe. Il a tout. Là, il a bien tapé, Adrien qui est là, en force. Ouais, il l'attend sur un angle normalement fermé. Et Rocky, peut-être qu'il fait une petite erreur de placement, ouais. Je dirais. La première action de Ruiné, c'était son entrée de jeu. Dangereux déjà. Bertrand aussi. Ouais, Bertrand Caille tout proche aussi de y aller de son petit but. Et jusqu'au bout, hein, le score était indécis. Puis alors, cette main pas sifflée, on aurait pu voir aussi Dombé à égaliser. Ouais, cette reprise écrasée. Quel arrêt de Kane. Allez, Bat qui a fait une belle rentrée, le petit jeune, jeune pouce de Yen Gainsport. Ouais, c'était un peu une fin de match indécise, hein, je le disais, Jordi. Ouais. Où effectivement, bah, il y avait des espaces, un peu de. Encore ces interventions d'Erwan. On voit Osu qui. Erwan Osu, ouais. Ouais. Enfin, on en reste là et ça fait bien 2-1 avec cette victoire. Ce succès, il est précieux. Ce succès du leader Yen Gen qui continue donc sa marche en avant. Jordi, on va se quitter là-dessus. Ouais. Et puis donc la Super League va stopper le temps de deux week-ends. On se retrouvera d'ici fin juin, le 24 juin précisément, pour deux nouvelles rencontres. Il y aura un beau Lossi Mandor et puis un Tigane et Geo à suivre sur les antennes de Pacific Plus et la FCF TV Web d'ici là. Profitez bien des vacances scolaires parce qu'elles arrivent. Ouais, c'est vrai, c'est les vacances. Et puis on se dit et on vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao à tous. Ciao.